Bonjour Sophie, bonjour Emmanuel. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Voilà Sophie, je te présente Emmanuel qui va travailler pour toi et avec toi pour ta session. Enchanté. Voilà, et nous t'invitons à nous exposer les points sur lesquels tu veux travailler. Nous t'écoutons. Alors, j'ai un problème en fait de gastro-intestinal. J'ai fait des examens, il n'y a jamais rien. Ça fait plusieurs fois que je fais des examens, mais il n'y a jamais rien. Et en fait, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui tourne en boucle, que ça se répète tout le temps de la même façon, c'est-à-dire que ça passe de la tête. Alors, j'ai des gènes dans le nez, dans la gorge, dans les oreilles, ça descend sur l'estomac, ça descend tout en bas, ça remonte, j'ai des saignements de nez. J'ai des difficultés à digérer. Et en fait, c'est un cercle vicieux, et je me demande en fait si j'ai des allergies, si tout n'est pas lié, et ça tourne tout le mois entier, tous les jours, j'ai quelque chose, ça remonte, ça descend, et quand c'est parti, ça recommence. Ça ne fait que ça. Fait que ça depuis des années, puis c'est devenu un petit peu crescendo en fait. Je suis un peu sourde, enfin, sourde, pas de surdité, mais d'ORL. Je suppose qu'il y a quelque chose, il y a du mucus dans la gorge. J'ai comme un circuit comment dire, comme quelque chose que j'ingère dans l'invisible, mais qui sort pas, qui Bon, tourne. on verra Ouais, ça. OK. voilà. Ça, c'est vraiment le problème principal. Alors, du fait que j'ai fait deux petits examens au mois de février et mars, j'ai dû subir de toutes petites anesthésies locales, mais j'aimerais savoir. Moi, je me suis auto-nettoyée, mais je voudrais avoir en profondeur quelque chose qui soit vraiment enlevé. D'accord, de l'anesthésie locale, tu dis alors. Ouais, voilà. C'était vraiment pour l'endormissement, parce que bon, fallait faire. Une fibroscopie, une coloscopie, donc voilà, c'est pas méchant, mais bon. Après, j'ai les fameuses allergies. Alors moi, j'ai vraiment ce problème-là, c'est que c'est facial. C'est vraiment le problème que j'ai qui tourne, là, il est vraiment, par moments, c'est localisé dans le visage, ce qui fait que j'ai mal au visage et, enfin, j'ai un peu comme enflammé, abruti dans la tête et puis. Comme si j'avais avalé un produit, je sais pas, c'est assez bizarre. Après, j'ai des raideurs dans le cou et dans les omoplates. Bon, ça, c'est pas méchant, mais voilà. Et puis, j'ai aussi des. Alors, ça, j'ai découvert ça depuis février, c'est mes doigts, les articulations de mes doigts qui. Je sens comme des pics et des aiguilles, ça fait comme des coups. D'aiguilles par moment dans les phalanges. Et par moment, j'ai rien, mais j'avais pas ça avant, donc je sais pas ce que c'est non plus. Comme des aiguilles. D'accord. Voilà, ça c'est vraiment les. Puis j'ai de la claustrophobie. Bon. Ah, claustrophobe, d'accord. Claustrophobie que j'ai essayé de traiter de toutes les façons, que j'ai jamais réussi. Alors j'ai peur de tout, 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 puisque j'ai eu des problèmes dans tous les domaines de transport. J'ai peur un petit peu de tout aussi, donc j'essaye de faire des efforts sur moi, mais c'est Donc, trop une fois de tout, difficile. c'est-à-dire, tu veux dire que ça dépasse la claustrophobie, ça dépasse les endroits confinés? Non, c'est-à-dire que si. Alors j'évite le problème parce que je fais tout à pied, tant pis, je préfère prendre sur moi. Ah, d'accord, ouais. Mais par contre, ça peut, si j'ai un problème de claustrophobie quelque part, ça peut me décupler dans tout le reste, forcément. Mais sinon, non, je n'ai pas peur d'autre chose. Puisque avant, j'étais agoraphobe, maintenant, je ne le suis plus. Donc, il y a quelque chose qui est parti, mais la claustrophobie. Puis, je ne fais plus d'efforts, hein, je ne prends plus les transports, plus rien du tout. J'arrive plus. Voilà. Et puis un dernier petit point, c'est ma ménopause qui se met pas en place du tout et je commence un peu à saturer de ce côté.
Enfin, ça me saoule, quoi. Je suis pas bien, je suis gonflée, j'ai des mastoses. Bon, c'est moins pire qu'avant, mais enfin, je pense que je suis plus vers la fin qu'autre chose, mais c'est très long à se mettre en place et ça m'embête un peu. D'accord, on verra ce qui se passe, ok, Ouais, aussi. voilà. Niveau santé, c'est ça, c'est principalement ça. C'est des petits trucs, hein, c'est. Ah oui, Ouais. ça Et par compte. contre, j'ai beaucoup de grains de beauté. Alors, je ne sais pas si c'est des grains de beauté. Parfois, je les ai fait analyser. Il n'y a rien non plus. Mais qui poussent partout. Partout, partout, partout. Comme une fleur qui. Et je me retrouve avec des boutons, des gros machins dans le dos principalement. Mais ça s'est étendu partout, partout, partout. Maintenant, ça commence aussi sur le visage. Ok. Alors, les questions hors santé après? Oui, hors santé. Alors, je suis passionnée par le domaine de l'ésotérisme, bien sûr. Et j'ai fait des formations, des tas de trucs qui n'ont jamais abouti, parce qu'à chaque fois que je fais des formations, ben, je ne vais pas au bout, ça ne m'intéresse plus. C'est comme si mon acquis devenait sans intérêt et j'en fais rien. Donc, je suis toujours passionnée. Moi, je me crée mes propres. Comment dire, mais des supports, des machins. Pareil, j'en fais rien. C'est sur le moment, je fais des choses qui sont passionnantes pour moi et au bout d'un moment, ben, c'est comme une lassitude qui arrive tout de suite. Une perte d'intérêt. J'ai toujours. Alors, j'ai vécu pas mal d'expériences aussi dans ce domaine-là, des expériences de toutes positives autant que négatives. Et puis avant, j'avais des capacités, donc quand j'étais ado, j'avais des capacités intéressantes. Et puis, bon, j'ai dû être interférée aussi entre deux, je le suis sûre, c'est certain, comme tout le monde un peu. Mais maintenant, je voudrais retrouver mes capacités, mais que pour moi, en fait, que mon lien de conscience, pas pour voir, pour être de. Comment Oui, mais dire. ça fait partie du travail, si tu veux. Hein. C'est pas un problème. Ouais, Une fois que vous voilà. êtes reconnecté, bon ben. Ouais. Oui, c'est ça parce que j'essaye par tous les moyens, mais je pense que j'ai un blocage ou c'est moi qui m'autobloque, je ne sais pas, mais il n'y a rien. Je n'ai aucune perception, aucun ressenti. Mon intuition, je n'ai plus jamais eu. Tout a disparu. Et puis maintenant, ben, D'accord. je Ok. vais à l'aveuglette. Je fais par impulsion puisque je n'ai que cette solution-là pour me guider. Voilà, par exemple. Là, j'ai le projet de vouloir déménager pendant 2, 3 ans ma retraite. Bah, je sais pas, je suis complètement paumée, j'ai aucun repère, je ne sais pas comment faire et j'ai beau me connecter à moi-même, il ne se passe rien. Donc, j'aimerais développer ça, enfin retrouver au moins ça. D'accord, ok. Voilà. Bon, Et c'était puis, bien. alors, le souci principal, c'est une deuxième question liée par rapport à ça, c'est que je suis obsédée. Du matin au soir par cette question de devoir redevenir comme ça, parce que je sais pas ce qui se passe, mais c'est une vraie obsession, ça me c'est du matin au soir, je ne pense qu'à ça, quoi, c'est pas normal. Je devrais me laisser aller, hein, en fait, mais Et c'est quoi? Tu pensais à ça quoi? J'ai pas compris. À ce devoir de développer mes capacités, Ah, c'est une d'accord, ok. obsession. Bon, mais ben c'est le même point, d'accord. Pourquoi Ouais, tu es voilà. obsédé? Ok. Donc, c'est pas normal, quoi. Et je voulais savoir pourquoi j'ai vécu toutes ces expériences, donc, ben, d'auparavant, puisque ça ne me sert à rien maintenant. Enfin, je veux dire, comme je n'ai pas d'accès, à quoi ça m'a servi finalement? J'ai une vraie frustration par rapport à ça, c'est un petit peu bête, mais je comprends pas trop la raison de tout ça pour rien Du maintenant. fait d'avoir fait des formations et que ça ne se serve à Ouais, rien, ça peut ouais, l'être. ouais. Peut-être sans frustrer. Ouais, ah oui, complètement frustrée. Puis en plus, ça me fait. Si, vous voyez, là, je vous pose le sujet en question, mais j'ai honte de le poser. Je ne sais pas pourquoi j'ai honte. C'est comme si j'y avais pas droit. Ok. C'est bizarre. Ok. Alors, pourquoi je n'ai aucun souvenir de ma naissance jusqu'à mes 12 ans?
C'est un trou noir, complètement noir. C'est ma sœur qui me donne des choses qu'on a vécues, parce que sinon. Et même par rapport, même maintenant, j'ai aucune mémoire de. C'est comme si je vivais à l'instant présent, puis que tout ce qu'il y a derrière, ça disparaît au fur et à mesure. Et je ne peux pas vraiment discuter avec les gens. Faut que j'écoute, parce qu'en fait, j'ai aucun souvenir de rien. Bon. Et puis, quelle est ma relation avec mon fils? Enfin, qu'est-ce qui se passe avec ton fils? Alors, je n'ai pas vraiment de soucis particuliers, hormis le fait que je l'ai à charge. Il ne travaille pas. Et j'essaye de le pousser. À se rendre compte que faudrait faire quelque chose, etc. Il n'y a pas moyen. Donc je voudrais comprendre pourquoi on vit à deux cette situation, puisque moi ma vie est bloquée dans tout, 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 et j'ai l'impression qu'il prend le même chemin que moi. On dirait qu'il vit par mimétisme sur moi. On est enfermés tous les deux dans la maison. On ne fait rien de particulier. Après, on n'est pas malheureux du tout, hein. Il n'y a aucun souci. On n'a pas de problème de santé vraiment, mais il ne se passe rien. On vit comme un couple séparé, pas à peu près de la même façon, mais il ne se passe rien. Et voilà. D'accord. Mais après, moi, je respecte sa vie, il respecte la mienne. Bon, Il mais y a longtemps qu'il vit avec toi là, parce qu'il a quel âge là? là, il a 27 ans. Ah oui. Ouais. Et j'ai essayé de le persuader à faire une session ou quelque chose. Alors, il n'est pas contre, mais en fait, il veut pas. Alors, faut le laisser libre, hein. Faut pas le forcer. Et Non. il a jamais quitté le foyer en fait. Alors, si, Familial. il a des copains, il a une vie sociale et tout ça, Donc mais. il a toujours vécu chez toi, avec toi. Ok. Ouais. Je pense On que verra ça. maintenant l'habitude est prise. Je ne sais pas. Je sais pas ce qui se passe dans sa tête. Donc, j'aborde pas le sujet du travail parce que sinon c'est la grosse dispute. Je l'aborde plus, on va dire, parce que je l'abordais assez. Alors, on a un peu le même état d'esprit. En fait, il est assez réaliste sur le concret de la vie, mais en même temps, il s'empêche de vivre. J'ai l'impression. On verra ça. Ouais. Ok. Voilà. Bon. Puis voilà, je crois que j'ai fait le tour. Pourquoi je Donc, suis bloquée dans tout, voilà. ouais. Voilà, c'est. Okay. Alors, donc, on va passer aux invitations. Donc, bien sûr, ton fils. Oh Hein? oui. Mes soeurs et puis mon frère. Alors, le père de ton fils, non? Oui, on peut, oui. Ça ne fera pas de mal. Ok, donc son père et sa famille, je suppose. Oui, bien sûr. Oui. Ok. Voilà. Bon, Donc toutes après, mes familles, en fait. Hein. tu as des frères et sœurs? Oui, deux sœurs et un frère. Et leur famille, ok. Après, tes parents sont encore là? Non, Ok. je les réserve pour après. Donc on dit famille en général. Oui, voilà. Ouais. Tu as des amis, relations? Oui, quelques-uns. Je les mets dans le lot, bien sûr. Donc, amis, relations, ok. Tu as des animaux? Non, mais je veux bien tous les animaux de la terre, hein. Au Pas de de la terre, souci. non, mais de ceux de tes invités. Ouais. Ok. Après, donc, pour les deux désincarnés, tu choisis qui? Oui, mes deux parents. Tes parents, hein? Ok. Eh bien, allez, je laisse couper le son et nous partons pour ton aventure. À tout à l'heure, merci. Oui. À présent que tes connexions et protections sont faites, dis-moi, quelle est ta fréquence? 310. Tu vas augmenter. 31 200. Ok, je te laisse donc te connecter à moi. Dis-moi comment tu me vois. 380. Je m'aligne sur toi. Oui. Et je te laisse te connecter sur Sophie. Dis-moi comment tu l'aperçois. Il y a son image qui apparaît et plusieurs têtes qui apparaissent et qui disparaissent en semi-transparence.
ça surgit de derrière elle, ça apparaît et puis hop, ça disparaît. Mais ce ne sont pas des têtes humaines. C'est plus comme des sortes de museaux. De museaux reptiloïdes, c'est un peu bizarre. C'est-à-dire, c'est pas vraiment des têtes de serpent, c'est quelque chose de, on va dire, d'hybride dans l'apparence. C'est comme des visages humains, mais avec un museau reptiloïde. C'est bizarre. Les yeux, eux, sont reptiloïdes, avec c'est vertical. Ça fait des fentes verticales. Et ça, c'est vert, jaune, marron. Et hop, ça apparaît, ça vient en premier plan, puis ça revient se cacher en quelque sorte derrière elle. Combien tu en vois? Difficile à dire parce que quelquefois c'est les mêmes qui reviennent, quelquefois ce sont des différents. Il y en a trois différents. Ok. Que vois-tu d'autre? Donc ça vient perturber tout son espace d'énergie. Ça vient fragiliser en fait tout son espace énergétique et ça vient décaler ses corps subtils qui tentent en fait de trouver leur place et de s'adapter, de trouver un équilibre par rapport à ces présences-là qui sont là derrière et qui sont attachées à elle, derrière elle, là, derrière le dos. Au niveau des épaules, de la nuque et du dos, c'est rattaché à la colonne vertébrale. Donc ça vient créer comme une sorte de poids et des lourdeurs et des douleurs. Ça vient tirer en fait sur elle. Ça vient décaler aussi son axe tertiel. En plus de ces êtres-là, il y a comme une sorte d'amibe, c'est-à-dire une chose informe, nuageuse, semi-transparente, gluante. C'est comme une sorte de gel gluant, l'apparence et la substance. Et ça, c'est devant elle et à la fois à l'intérieur d'elle. C'est comme une sorte de parasite. C'est-à-dire que ça n'est pas une entité réellement intelligente, ça a juste la conscience de sa propre survie. Donc c'est installé là, au niveau de la gorge, du cou, du système ORL, ça redescend, ça grandit au fur et à mesure de l'avancée dans l'incarnation, donc ça redescend le long du système digestif puisque ça vient se nourrir de son énergie vitale. Donc c'est multiforme. Quelquefois ça s'étire, ça devient tout fin comme un serpent qui vient s'infiltrer là dans tout son système digestif. Puis quelquefois ça revient plutôt ovale, rond, mais un peu informe. Puis de nouveau ça s'étire. Ok, d'où donc son problème de ce qu'elle appelle gastro en fait, c'est ça? Oui, oui, Gastro-ORL? oui. D'accord. C'est vraiment multiforme, ça peut être très très long, très très fin, et puis après ça se ramasse. C'est un peu comme une sorte de respiration, ou de rythme, et suivant la respiration, le rythme de cette chose-là, ça se recompacte ou au contraire ça s'étire. D'accord. Que vois-tu l'autre? Il y a des sortes de. Comme de. C'est électrique. Comme des sortes de coupe-circuits électriques. Mais ça vient de derrière. Ça vient de la colonne vertébrale. Et ça vient de ces êtres-là, reptiloïdes, qui sont accrochés à elle, à sa colonne vertébrale. Ils sont plutôt en haut de la colonne, mais c'est comme s'il y avait des sortes de pinces là qu'ils posaient sur chaque vertèbre. Et ça vient créer des chocs électriques entre les vertèbres et d'autres parties du corps.
C'est parce que ces êtres-là essayent d'agrandir leur accroche, d'où ces poses de pinces. Donc, ils ne posent pas directement sur tous les membres, mais ils tentent d'atteindre les points de commande, les zones de commande là au niveau vertébral. Ok, donc c'est le cause qui a le problème tout ça? Ben, ça vient créer comme des sortes de... c'est électrique, comme des sortes de chocs électriques. Alors certains sont absorbés, rééquilibrés par l'élémental du corps, et d'autres sont plus aigus, plus puissants et brutaux, et n'arrivent pas à être absorbés par l'énergie de l'élémental du corps. Mais les plus puristes sont puissants et brutaux, donc lui cause quel problème? Ben, ces sensations de piqûre là, au niveau des articulations. Voilà, voilà. Ok. Que vois-tu d'autre? Moi, directement sur elle, c'est tout. Tu prends un système GPS? Y a un système GPS qui est là au niveau de la nuque. Ok. Il lui cause des problèmes? Comme une sorte de déséquilibre énergétique qui vient créer des images doubles. Ça vient comme dédoubler sa réalité. C'est-à-dire que c'est comme si elle habitait dans des réalités parallèles, mais qui viennent s'emboîter les unes dans les autres. Qu'est-ce que ça les crée comme problème au quotidien, alors? Des sensations d'anxiété par rapport à là où elle se trouve. Des sensations d'enfermement, d'oppression. Quelquefois, c'est trop. Quelquefois, c'est pas assez. Et c'est comme une question de distanciation par rapport à sa propre réalité expérimentée. Quelquefois, elle s'y sent enfermée, oppressée, et quelquefois, elle s'y sent perdue. C'est les deux extrêmes. C'est-à-dire que ça l'empêche de se caler tranquillement et de façon équilibrée dans sa réalité expérimentée. Donc, la claustrophobie, c'est ça? Oui, oui, c'est une conséquence directe. Et avant, l'agoraphobie? Oui, c'est une conséquence directe. C'est les deux aspects de la même problématique. Les voilà. Deux faces. Ok. Tu vois autre chose? Non, c'est tout. Ça appuie sur des failles déjà existantes ou ça crée ces failles? Moi, ça les crée. Comment? Ça vient les créer. Ça les crée, d'accord. Bien, alors on va regarder qui est derrière tout ça. Donc, tu as vu des reptiloïdes, donc hybrides. Tu en as vu trois, c'est ça? Oui. Qui vois-tu d'autres? Tu vois d'autres êtres ou pas, à part ces parasites? Et à part les démoniaques habituels, bien sûr. Oui, il y a d'autres reptiloïdes qui sont là en arrière-plan, mais qui, eux, ne sont pas hybrides. Ce sont eux qui sont à l'origine de ces créatures hybrides. Ok, donc c'est eux qui dirigent les opérations? Oui. Comment est-ce que tu en vois? Il y en a deux. Ok, c'est quoi leur objectif? Ils sont là en surveillance de leur expérimentation en cours. Bien, c'est quoi leurs objectifs alors? C'est de créer une interface qui leur permette d'interagir et d'interférer avec les humains, là, sur le plan physique incarné en 3D, mais sans intervenir eux-mêmes directement, sans prendre de risques, en quelque sorte. Et ça permettrait de faire quoi? Eux restent là, cachés dans l'ombre. C'est pour quoi faire? Transmission d'énergie, ces tentatives de création d'intermédiaires leur permettent de récupérer de l'énergie directement sur les humains, mais il y a une différence de fréquence entre l'énergie des humains et la leur. L'énergie des humains, elle est trop puissante et trop brûlante, en quelque sorte. Enfin, c'est comme ça qu'on peut le traduire pour eux. Donc, le fait d'avoir ces interfaces hybrides, ça leur permet de récupérer l'énergie humaine, de la transformer et qu'elle arrive jusqu'à eux sans risque. Et ils en font quoi de cette énergie? C'est leur nourriture. D'accord. C'est la seule chose qui les intéresse, alors, en fait, c'est de se nourrir, c'est ça? Oui.
Il n'y a pas d'autre objectif. Non, pas pour ces êtres-là. D'accord. Depuis combien de temps est-ce qu'ils sont avec elle la toute première fois? Je compte à trois, tu y vas. Un, deux, trois. Depuis 6 incarnations. Comment s'est produite la première fois? Ils se sont présentés à elle au moment d'une désincarnation. De quelle manière ils se présentent à elle? Comme des sortes d'anges, ou plus exactement de guides, venus là pour l'aider et la guider face à son état d'être perdu et désemparé. Ok, donc c'est l'état d'être perdu et désemparé qui la met sur les mêmes fréquences? Oui. D'accord, donc je suppose qu'ils obtiennent son consentement? Oui. Qu'est-ce qui se passe pour elle après? Elle avance dans des sortes de rails, des sortes de rails de guidance qui la dirigent vers les incarnations suivantes. D'accord. Donc depuis lors, c'est eux qui gèrent ces incarnations. Oui. Et au niveau du choix des lignées pour s'incarner, c'est aussi eux qui sont à l'origine ou pas? Oui, c'est eux qui choisissent la direction des lignées, oui. Quelles sont les caractéristiques principales qu'ils choisissent pour l'incarner? Facilement approchable et facilement interférable. D'accord. Alors, je suppose que pendant que tu as toutes ces informations, que toutes les parties de Sophie prennent conscience et connaissance de cette supercherie, de leurs conséquences? Oui. Bien, ça fera partie de leur bagage de connaissances et de futures compétences. Combien est-ce que tu vois qu'elle a eu de vie humaine dans cette boucle de manifestation de son soi supérieur? Dans cette boucle-là, 19. 19 vies humaines. On va aller voir d'où elle vient avant d'entrer dans cette fausse matrice et sous quelle forme? 1, 2, 3. Une sorte de bulle. Comme une sorte de... Ah, c'est une bulle de réalité. C'est une bulle de réalité dans laquelle elle se trouve. Elle est humaine, très ressemblante à ce qu'elle est là maintenant. Sauf que dans cette réalité-là, il y a moins de possibilités d'expérimentation que sur le plan humain en 3D. Il y a une sorte d'instabilité énergétique. C'est pour ça que ça tremble légèrement. C'est comme une sorte d'expérience de manifestation, mais intermédiaire, qui reste en quatrième dimension, d'où cette instabilité. Ok, et elle se situe où, cette bulle alors? Cette bulle de réalité? Elle est intermédiaire. C'est bizarre, c'est intermédiaire. C'est une sorte d'univers intermédiaire. C'est-à-dire que ça n'est pas dans notre univers, ça n'est pas dans un autre non plus. C'est situé dans des sphères de réalité intermédiaires qui se situent dans des zones inter-univers. D'accord. Et d'où est-ce qu'elle venait donc avant d'être dans cette bulle de réalité? Elle était dans un autre univers. Celui-ci, stable, en cinquième dimension. Plus exactement... l'équivalence de la cinquième dimension dans notre univers. D'accord. Mais qu'est-ce qui fait qu'elle se soit vue en inter-univers dans cette bulle de réalité? C'est comme une sorte d'impasse, d'expérimentation non aboutie. C'est comme si la direction avait été une sorte de GPS au départ, dont les commandes se sont arrêtées ou les indications se sont arrêtées et qui l'ont conduite en fait dans cette impasse. C'est comme une erreur d'aiguillage ou de problème technique, chose comme ça, oui. D'accord. L'objectif était d'expérimenter une autre réalité dans un autre univers donné. Mais c'est resté bloqué là, dans cette sorte de zone inter-univers. Alors, quand elle est partie de son univers, elle venait d'une planète ou d'une étoile? D'où est-ce qu'elle venait là? D'une planète. Une planète?
Et donc en cinquième dimension, et sous quelle forme tu la vois sur cette planète? Humanoïde, pratiquement humaine. C'est une autre forme d'humanité. En quelle dimension? En cinquième, tu m'as dit, hein? Ok. Et donc elle avait une fonction particulière sur cette planète? Non, il n'y avait pas de fonction particulière. Simplement d'être là, installé dans l'incarnation tranquillement. Mais corrélé à cette situation-là, il y a comme un ennui qui vient. Et c'est pour se distraire de cet ennui qu'elle expérimente d'autres choses. D'accord. Et donc, elle décide de partir comment alors? Dans une navette individuelle ou son corps de Merkaba ou autre? Non, c'est une sorte de structure géométrique dans laquelle elle va placer son corps physique, hein, et qui lui permet de faire des sauts quantiques, hein, dans d'autres univers pour aller expérimenter autre chose. Et mais sa partie physique, elle reste là. La partie physique reste là. C'est simplement sa conscience dans sa Merkaba qui se déplace. D'accord, c'est ça la structure géométrique, c'est la Merkaba. Ok. Enfin, oui et non, parce qu'il y a une structure géométrique physique dans laquelle elle vient placer en sécurité sa partie physique. Et de là, sa conscience dans sa Merkaba peut se déplacer. Ah oui, d'accord, elle rentre dans une espèce de dispositif pour se déplacer avec sa Merkaba. C'est ça. Ok. Et donc cette erreur d'aiguillage, c'est quoi, comment ça s'est produit pour qu'elle se retrouve dans cette situation alors? C'est la technologie qui a une sorte de bug, quelque chose comme ça. Qu'est-ce que ça a à voir avec cet univers inter-univers qui ne correspond pas aux mêmes lois que sur le sien? C'est cette sorte de bug qui a généré le fait qu'elle se retrouve dans cette sorte d'inter-univers. Bien. Et ensuite, donc, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle se retrouve incarnée sur Terre? Ce sont ces essais de, on va dire, de réorientation à partir de cette nouvelle base-là qui ont fait qu'elle s'est retrouvée ensuite dans notre univers. Parce qu'il y a la conscience qu'elle se retrouve dans une sorte de réalité décalée et limitée et qui n'est pas l'objectif qui était celui voulu au départ. Donc elle repart de cette base-là, c'est comme si elle reparamétrait son GPS de cette base-là en inter-univers. Et ce nouveau voyage la propulse là dans notre univers et la propulse non pas directement à l'intérieur, mais à proximité de la sphère terrestre, de l'espace terrestre. Parce que son objectif est d'expérimenter d'autres réalités, entre guillemets, humaines, dans d'autres mondes, dans d'autres univers, sur d'autres planètes. D'accord. Et donc arrivé aux abords de l'espace terrestre, que se passe-t-il? Là, il y a une sorte de choix, de continuer l'expérience là dans ce qui se trouve le plus à proximité, c'est-à-dire l'espace terrestre, ou de continuer à explorer d'autres planètes qui seraient un petit peu similaires. Donc, mais elle décide de rester là et d'expérimenter l'humanité dans l'espace terrestre. Et qu'est-ce qu'elle fait alors? Elle se laisse aspirer, simplement. Elle se rapproche, elle s'en rapproche. Et elle est aspirée par la matrice artificielle terrestre. Elle va directement dans les roues d'incarnation. Oui. Et sa première manifestation sur Terre, c'est en tant qu'humaine en 3D ou il y a d'autres formes d'avant? Non, dans cette boucle-là, c'est directement en tant qu'humaine. Et sa première existence humaine, elle l'amène où alors? Il n'y a pas de correspondance par rapport à ce que nous nommons le passé. C'est dans ce qui, pour nous, enfin sur une base linéaire, représente le futur.
Il y a comme des sortes de sauts temporels là dans les incarnations. Il n'y a pas de. Ça suit pas la ligne passé, présent, futur. Et à quoi ressemble cet espace dans notre futur? C'est assez semblable à ce que nous pouvons expérimenter là, maintenant. Mais c'est plus, on va dire, technologique, en tout cas dans ce qu'elle expérimente. C'est technologique. Il n'y a pas de. En tout cas, pas dans son environnement. Il n'y a pas de nature. Il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas d'animaux. Tout est technologie. Elle est dans une sorte de tour haute, toute transparente. C'est une sorte de verre, mais ce n'est pas du verre. Et toute la vie se déroule là, à différents étages de cette tour, dont chaque étage est dédié à une activité en particulier. D'accord. Et autour de cette tour, il n'y a pas de vie. Il y a Il y a d'autres tours qui sont semblables. d'autres tours. D'accord. Et ils ressemblent à quoi ces humains-là? Ils sont plutôt robotoïdes ou pas? Ils sont lisses. Donc il y a, oui, quelque chose de robotoïde dans leur fonctionnement et leurs attitudes. Ce ne sont pas des robots, ce sont bien des humains. Quand tu dis qu'ils sont lisses, ça veut dire quoi? Il n'y a pas, par exemple, d'esprit de rébellion. Ça n'est pas présent. Ça a été retiré en quelque sorte ou endormi. D'accord, oui, des robots en esprit, quoi. Ok. Et ils s'occupent à quoi alors? C'est quoi leurs activités là, du coup? Ils passent d'un étage à l'autre pour ils passent d'une activité à l'autre, en fait. Ils passent d'un étage à l'autre. Donc l'étage loisir, l'étage repas, l'étage ce que nous nommons travail, et qui c'est une activité obligatoire, hein, sur des écrans informatiques. Et à nouveau, il y a un autre étage de pause intermédiaire sans que ce soit vraiment loisir. Là, l'étage repos, tout se succède. Ça Et recommence par cycle. il y a une sorte de gouvernement ou d'élite? En arrière-plan, mais ça n'est pas ressenti à son niveau. C'est tout D'accord. est automatisé. Et c'est quoi leurs objectifs alors à cette élite? Je sais pas, ça tourne en boucle. Il faut simplement que, entre guillemets, la machine soit bien huilée et que ça tourne en boucle. D'accord. Et ça alimente quoi ce système-là? Ça alimente le système lui-même en énergie. D'accord. C'est juste un mode d'existence sans qu'il y ait d'objectif particulier. C'est ça. Ok. Et derrière ces élites, il y a d'autres consciences. C'est artificiel, ce qu'il y a en arrière-plan. Qu'est-ce que c'est? C'est l'intelligence artificielle. D'accord. Et elle se nourrit de quoi alors du coup? Elle se nourrit des énergies dégagées des différents étages. Ok. Donc tout ça, c'est un système énergétique pour elle, quoi. Exact. D'accord, ok. Bien, alors à présent qu'on en sait un peu plus sur son monde mirifique de notre futur, je suppose que c'est une ligne de temps possible, Oui. potentielle, c'est ça, hein? Exact. Voilà. Donc tu peux revenir ici et maintenant, à présent qu'on en sait un peu plus sur cette boucle de manifestation de son soi supérieur. Oui. Si tu la scannes encore, vois-tu des choses qui n'ont pas été vues, même si tout disparaîtra, ou des informations qui pourraient nous être utiles? Non, pas pour l'instant. Bien. Alors, regarde son ADN éthérique, confirme-moi qu'il s'agisse bien d'elle, s'il est entièrement issu de son essence et s'il a été trafiqué ou pas. C'est le sien. Alors, demande-lui si elle accepte que nous travaillions pour elle, sur elle et avec elle au cours de cette session. Oui.
puisque nous avons son accord, donc nous, ensemble, nous allons convoquer toutes les entités en lien direct et indirect avec elles jusqu'au plan archiavélique. Qu'elles le veuillent ou non, qu'elles se cachent ou non, elles n'ont pas le choix, je compte à toi, et elles te sont toutes apparentes. 1, 2, 3. Oui. Donc, à part ces deux espèces de reptiloïdes hybrides et les chefs au-dessus, qui vois-tu d'autre? Il y a des entités démoniaques qui sont là, qui tournent autour, hein, et qui en fait sont attirées par sa sphère d'énergie qui n'est pas protégée et qui viennent s'abreuver en quelque sorte aux fuites d'énergie. Elle s'appuie sur quelle faille ? Sur des failles de sensation d'être décalée, de lassitude, d'une sorte de désespoir latent, la présent en arrière-plan, et de mal-être général. Alors, lassitude, on retrouve cette lassitude qu'elle a vécue sur sa planète d'origine. Oui. C'est la même origine ? Oui, c'est inscrit en elle. D'accord, ok. Bien, on verra ça. Qui vois-tu d'autre ? Après, il y a les entités qui gèrent l'espace terrestre et qui remontent en hiérarchie jusqu'au plan archontique. Et bien sûr, ce fameux parasite. Tu vois d'autres parasites à part celui-là ? Non. Alors, elle déclare à tout ce petit monde qu'elles rompent tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœux, souhaits, permission, serment, allégeance, alliance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive, sur tous les plans, dans toutes les boucles, toutes les couches, toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, toute bulle de création, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, dans tous les plis et replis des espaces-temps, dans tous les différents états de conscience, et tout ce qui est connu et inconnu en général. On ouvre un grand portail dimensionnel, et toutes les entités, vues et pas vues, jusqu'au plan archiavélique, tout dispositif, vu et pas vu, tout ce qui n'appartient pas à ses corps, énergie, conscience et informations d'origine, vu et pas vu, disparaît, avec traces, mémoire, empreintes, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, sur tous les plans multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus. On ouvre un grand portail dimensionnel et tout disparaît pour tout le monde. 1, 2, 3. Oui. Tu refermes et tu l'effaces. Oui. Sophie se place dans une bulle christique de protection. Oui. Se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa et aspire énergie, substance, vitalité, structure. Oui. Se connecte à la source et fait descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. Oui. Elle reprend d'énergie, se restructure, reprend de la vitalité et se souvient de qui elle est en essence, au-delà de toute forme, et le ressent pleinement. Oui. Comment vas-tu à présent, Sophie ? Beaucoup plus stable d'un point de vue énergétique, plus claire et plus légère aussi. Bien. Alors dis-moi comment réagissent ces entités. Il y a une énergie de colère qui monte brutalement, puissante. Une sorte d'énergie sombre et lourde qui descend sur elle. Bien, on va tous les bloquer sur tous les plans, comme précité habituellement. 1, 2, 3. Oui. Voilà, maintenant tu vas revenir en arrière et tu vas te positionner juste avant que les entités réalisent qu'il se passe quelque chose. Oui. Là, tu ouvres un portail dimensionnel et on vire tout sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3. Oui. Tu le refermes et tu l'effaces. Oui. Voilà. Maintenant, regarde la bulle énergétique de Sophie. Dis-moi s'il reste quelque chose. Il y a des échos et des résonances. Alors, on les élimine sur tous les plans, les arrière-plans, les reflets miroirs, toute ligne de temps jusqu'aux réminiscences, système racinaire et périphérique. La prochaine fois, pour faire plus court, je dirais comme précité. 1, 2, 3. Oui. Regarde s'il reste quelque chose en arrière-plan. Non. Bien, alors dis-moi si ces entités ont un moyen ou un autre de la retrouver, de la repérer. Oui, il y a des informations qui ont été collectées concernant son essence et qui sont là présentes dans ce système de roues d'incarnation. Ok, tu les vois là clairement ? Oui. Bien, alors on élimine tous les plans. 1, 2, 3. Oui. Regarde s'il reste quelque chose quelque part. Non, il n'y a plus rien.
C'était multidimensionnel. Oui. Et c'était fractal et quantique. Oui. Et il ne reste plus rien à tous les niveaux. Non, il n'y a plus rien. Parfait. Alors dis-moi s'ils ont encore un moyen ou un autre de la retrouver et de la repérer. Ça, on va dire, c'était les informations générales qui étaient disposées là dans les roues d'incarnation, dont il ne reste plus rien. Mais il y a des informations qui ont été... c'est plutôt des morceaux, en fait, extraits de ces informations de base qui ont été récupérées par ces entités-là et qu'elles transportent avec elles. Ok, tu vois qu'il y a moyen de les éliminer? Oui. C'est toujours multidimensionnel, quantique et fractal? Oui. Alors on élimine tous les plans comme précédé. 1, 2, 3. Oui. Regarde s'il reste quelque chose quelque part. Non. Bien, alors dis-moi si elles ont encore un moyen ou un autre de la retrouver, de la repérer. Non plus maintenant. Donc là, on parle des hybrides, mais de leur supérieur, est-ce que tu vois qu'ils ont, eux, des moyens? Non, ce n'était pas les hybrides, c'était les autres. D'accord. Et les hybrides, eux, ont des moyens? Non, aucun. Non plus. Eh bien, parfait. On va regarder sur son supérieur. Je veux savoir où ils résident. Ils n'ont pas anticipé la séance. Il n'y a pas de choses cachées ou autres. Non. Ils n'ont pas cette capacité ou n'y en ont pas pensé. Ça a été détruit. Bien. Alors, on regarde son supérieur. Je veux savoir où il réside et dans quelle situation. Il est sur le plan moronciel, en observation. Comment tu vois son âme? Elle est repliée sur elle-même. Ses énergies sont affaiblies. Et la partie subliminale? Elle s'est décalée de la partie physique pour ne pas être impactée par l'interférence. Alors, on va demander au sens supérieur s'il est adéquat que nous partions du plan moronciel pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf, avec l'accès à son plein potentiel intérieur, dans un équilibre, une harmonie et une santé parfaite, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. Oui. Alors on y va. 1, 2, 3. Oui. De cet espace moroncel, je suppose que la partie d'elle qui y réside, c'est pourquoi nous sommes là. Oui. Je lui propose d'aller à l'origine de son incarnation en tant que Sophie pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf, avec l'accès à son plein potentiel intérieur, dans un équilibre, une harmonie, une santé parfaite, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. Est-ce que c'est correct pour elle? Oui. Alors nous y allons en mode de dépassement quantique, c'est-à-dire simultané et immédiat, sans passer par aucune condition ni influence de la matrice artificielle. 1, 2, 3. Oui. Sur cette nouvelle ligne de temps et dans ces nouvelles conditions, demande-lui quels sont ses projets pour la vie de Sophie. C'est profiter de cette opportunité d'incarnation humaine en 3D pour en apprécier pleinement tous les aspects. Quel moment choisit-elle pour entrer dans sa nouvelle physicalité? Au moment de la conception. Et à quel pourcentage est-elle connectée à ce moment-là à la source? 98%. Il invite à monter à 100%. Oui. Elle se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa qu'elle programme uniquement pour cette existence. Oui. Présent, va regarder son arbre généalogique. Comment le vois-tu? Il est comme enfermé dans des sortes de rails. Et ces rails communiquent entre eux et ça vient bloquer énergétiquement la lignée. Qu'est-ce que ça crée comme problème aux âmes qui sont accrochées? Ça vient comme les bloquer d'un point de vue énergétique et dans leur développement aussi individuel. C'est comme si chaque conscience qui était rattachée à la lignée était sur une sorte d'autoroute, sans avoir conscience qu'elle peut changer de route, en fait. Comment vois-tu que ça impacte donc Sophie? Il y a comme une sorte de sensation d'être écrasée et bloquée, sans avoir d'autres possibilités d'expérimentation. Et son fils, comment tu le vois si tu sautais cet arbre?
il y a la même chose, il y a ces mêmes blocages qui sont là, dans ces rails-là. Il est là, maintenu dans ces rails énergétiques. Bien, alors on va demander à la conscience de l'arbre si nous sommes autorisés à intervenir sur lui. Oui. Tu vas à l'origine de cette situation, la toute première fois. 1, 2, 3. Oui. Nous sommes à combien de générations en arrière ? 31. Que se passe-t-il à ce moment-là ? À la sortie des roues d'incarnation, ces sortes de rails sont indisposés, là, déployés là, dans cette zone. C'est comme une sorte de piège énergétique mis en place par des entités démoniaques. Bien. Alors, est-ce que tu vois un moment où cet arbre est parfaitement libre et non encore repéré ? Oui. Tu te présentes à lui à ce moment-là et tu lui donnes des informations de ce qui pourrait survenir si rien n'est fait. Et tu lui proposes de trouver une solution créatrice pour que cette situation n'arrive jamais. Une montée en fréquence haute, soudaine, puissante, qui vient le placer bien au-dessus de ces entités-là et de ces sortes de rails aussi. Alors, on va compléter ça par une connexion de l'arbre à la source pour faire descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour, touché en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour lui et toutes les âmes qui y sont accrochées? L'énergie recommence à circuler maintenant libre, fluide et légère entre toutes les consciences rattachées à la lignée. Comment vois-tu que ça impacte donc Sophie? Ça vient l'alléger et l'apaiser. Bien, alors est-ce que tu peux l'inviter à créer des voies de communication par le cœur, d'ouverture de conscience et d'auto-guérison pour toutes les âmes de sa lignée et en particulier son fils? Oui. Allons-y. C'est fait. Elle enroule son arbre avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issue de sa propre source. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Voilà. À présent, que compte-t-elle faire avec lui? Est-ce qu'elle veut le recouper partiellement ou entièrement? Est-ce qu'elle veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Elle coupe à 25% et pour la partie restante, elle réaménage et réorganise. Tu me dis quand c'est fait? C'est fait. Bien, alors à présent, on va s'occuper de l'élimination des codes matriciels limitants. Et pour cela, on va le faire en privé, comme d'habitude. L'élimination des codes matriciels limitants ayant été faite, j'aimerais que tu regardes si d'aventure il resterait des programmes archontiques ou de ceux de l'intelligence artificielle. Non. Alors elle remplace tout avec sa propre essence. C'est fait. Elle enroule son ADN avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issu de sa propre source. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. À présent, elle remonte sa ligne de temps juste avant sa naissance. Dis-moi à quel pourcentage est-elle connectée à ce moment-là à la source? 82%. Elle remonte en 100% tout en vérifiant ses racines et en créant l'équilibre. Oui. Elle s'apprête à venir au monde. Donc, elle remonte toute sa ligne de temps jusqu'à ici et maintenant en se souvenant de qui elle est en essence, au-delà de toute forme et le ressentant pleinement. Dans sa souveraineté, sa liberté, son autonomie, son unité, sa puissance intérieure, sa créativité illimitée, un équilibre, une harmonie, une santé parfaite, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. Oui. Elle enroule cette nouvelle ligne de temps avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issue de sa propre source. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. C'est fait. Et nous effaçons dans un ligne de temps avec tous les potentiels coexistants, des passés, présents, futurs, sur tous les plans, multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. Oui. Et elle déclare que tout ce qui est inhérent, attenant et afférent à l'enseignement de temps, sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, toute bulle de création, avec traces, mémoire, empreintes, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, que tout soit rompu et effacé. 1, 2, 3. Oui. Et pour accélérer la manifestation de tout ce qui a été fait jusqu'à présent, y compris pour l'arbre généalogique et pour chacune des consciences concernées, tu vas baliser un chemin énergétique pour faire redescendre les énergies et les informations sur le plan physique en 3D. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Et je vais conseiller à Sophie d'être pleinement présente, participative et active
pour tout le processus qui va suivre jusqu'à la fin de la séance, c'est-à-dire vivre, ressentir, imaginer au maximum et acquiescer à tout ce qui est proposé pour faciliter les intégrations. Et j'invite comme d'habitude les personnes qui voient cette vidéo à en profiter pour elles-mêmes à partir de maintenant. Rompre et effacer tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœux, souhaits, permissions, serments, allégeances, alliances, promesses, accords, tacites ou non, conscients ou non, de manière rétroactive. Oui. Rompre avec les lois matricielles et archiavéliques, les lois du karma, avec tous les archétypes et les égrégores, ainsi que les lois de conséquentialité dans les mêmes conditions que précitées. Oui. En ce qui nous concerne, nous rompons également les lois de conséquentialité pour toute la séance et sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui. Nous éliminons toutes les programmations d'auto-sabotage, quelles qu'elles soient ou qu'elles soient, sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui. Effacer les peurs, les traumatismes, les doutes, les croyances limitantes et les pensées racines. Couper avec tous les mécanismes de contrôle venant de l'extérieur de son être qui empêchent, entravent, limitent sa liberté, son autonomie, son discernement, sa souveraineté, sa créativité illimitée, sa puissance originelle, son auto-guérison et son équilibre parfait sur tous les plans. Oui. Vérifie s'il y a des copies ou des parties d'elle quelque part. Non, il n'y en a pas. Alors, elle intègre tout ça dans ses différents états de conscience. Oui. Et elle déclare, je déclare officiellement qu'à partir de maintenant, l'usage exclusif de mon canal, de tous mes canaux de perception, de tous mes corps et de mon essence, est réservé à l'énergie christique et à toutes les instances issues de ma propre source et rien ni personne d'autre. Oui. Elle rajoute, j'exige et j'ordonne à toutes les entités, leurs contrats, pactes, etc., à leurs organisations et associations auxquelles je renonce, de cesser d'agir et de quitter mon champ d'énergie et de création, maintenant et à jamais, de manière rétroactive, en menant avec eux tous les contrats, pactes, dispositifs, implants, technologies de toutes sortes et les énergies reproductives, connues et inconnues. Oui. À présent, nous allons aborder la partie psychologique. Si tout ne concerne pas Sophie, tout y est proposé, c'est elle-même qui fera le tri. Elle déclare, je me libère de toutes mes tendances à paniquer pour des riens, à m'offenser facilement, ainsi qu'à m'impatienter inutilement. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à tenir rancune aux autres ou à m'en vouloir à moi-même pour quoi que ce soit. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à ruminer mes déceptions et à ne pas complètement aimer la vie que je mène. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me critiquer et à me juger âprement pour tout motif qui soit. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à la neurasthénie ainsi qu'à l'épuisement moral et physique. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me sentir en danger dans la vie et à avoir peur de l'avenir. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me faire du souci et à manquer de concentration sur les tâches que je veux accomplir. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me révolter contre ce que je ne suis pas en mesure de changer. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à l'intolérance envers moi-même ou envers qui ou quoi que ce soit d'autre. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me sentir coupable de quoi que ce soit et à toujours tout vouloir contrôler. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à l'agressivité et à m'emporter contre moi-même ou contre les autres. Oui. Je me libère de toutes mes tendances au pessimisme et à croire que le monde va complètement de travers, même si c'est vrai. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à sombrer dans la tristesse et le désespoir. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me croire vulnérable. Oui. Je me libère de ma tendance à me victimiser, à me croire incomplète et impuissante, incapable, indigne et sans valeur. Oui. Et je me libère de toute identité dans la forme, quelle qu'elle soit, le « je » dans la forme humaine ou autre n'est pas qui je suis vraiment. Oui. À présent, elle déclare « je possède une force innée qui me donne la puissance pour transformer mon existence d'une manière qui m'est profondément bénéfique. » Oui. Je suis en charge de ma destinée et choisis à présent de me délivrer de mes souffrances intérieures afin que mon avenir soit baigné de joie, de bonheur, de santé, d'équilibre, de succès, de créativité, d'amour, d'abondance, de plaisir et j'en passe et des meilleurs. Oui.
en me libérant de ce qui me fait souffrir et en cessant de me faire souffrir à propos de qui ou de quoi que ce soit, je maîtrise ma vie et fais venir à moi tous les bienfaits que j'en attends et que surtout je co-crée. Oui. Car je comprends que je suis entièrement créatrice de ma réalité, donc responsable, d'autant plus que maintenant, je suis libre et que j'ai compris. Oui. À présent, le protocole du pardon. Elle déclare, de mon plan humain et des autres s'il en est, je demande pardon à tout ce qui a besoin d'être pardonné et à tous ceux qui sont concernés. Oui. Je me pardonne totalement en tout et pour tout. Oui. Et je pardonne totalement à tous et pour tous, sur tous les plans, multidimensionnels, quantiques et fractales, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. Oui. Et je comprends que du point de vue supérieur, que tout est illusion et scénario, que chacun fait de son mieux, et qu'il n'y a que des innocents et des ignorants, compte tenu des systèmes matriciels en place, et qu'en définitive, il n'y a rien à pardonner à personne, que tout est dans la perfection, et que chacun est à sa juste place dans son propre apprentissage. Oui. Je sais maintenant que toutes les imperfections font partie de la perfection et que je suis libre de ne voir que cette dernière, d'autant plus que c'est beaucoup plus satisfaisant. Oui. Je sais également que la vie n'est qu'un grand jeu et un grand théâtre et j'entends la reprendre entièrement en main et en profiter pleinement. Oui. À présent, elle déclare, je déclare et j'affirme ma pleine autorité, souveraineté et puissance créatrice dans ma légitimité divine, sur tous mes plans de réalité et dans toutes mes bulles de création. Oui. Je suis le maître de mon jeu et de ma scène. Oui. À présent, nous allons éliminer les mémoires akashiques. Elle ne conserve bien sûr que ce qu'elle estime juste et bon pour elle, et nous éliminons tout le reste dans les mêmes conditions que celles précitées de l'ancienne ligne de temps avec tout ce qui a été dit et déclaré. 1, 2, 3. Oui. Vérifie s'il reste quelques traçages ou marquages matriciels ou archiavéliques ou tout autre moyen de la repérer. Non, il n'a pas. Alors elle entre dans tous ses corps comme un téléchargement jusqu'au plan biologique, jusqu'à la moindre cellule, atome, particule. Oui. Voilà. Et donc elle fait connaissance avec l'élémental de son corps. Comment le vois-tu de ton côté? C'est une forme humaine. Elle crée les connexions avec la fleur de vie et la graine de vie. Dis-moi quand c'est fait. C'est fait. Elle lui demande de procéder aux harmonisations, rééquilibrages, réajustements, auto-nettoyage, auto-guérison, etc. De tous ses corps, de sa biologie, de tous ses systèmes, ses fonctions et les organes. Oui. Pour cela, nous connectons l'eau de son corps à l'eau primordiale, avec dans chacune des molécules une fleur de vie, une graine de vie et un double d'hémiscate activé. Oui. Connecter la cellule mère de son corps à la cellule primordiale. Oui. La molécule mère à la molécule primordiale. Oui. L'atome mère à l'atome primordial. Oui. L'électron mère à l'électron primordial. Oui. Le proton mère au proton primordial. Oui. Le neutron mère au neutron primordial. Oui. Le neutrino mère au neutrino primordial. Oui. Le tachyon mère au tachyon primordial. Oui. Les différentes particules quantiques mères aux différentes particules quantiques primordiales. Oui. La particule adamantine mère à la particule adamantine primordiale. Oui. La particule de lumière mère à la lumière primordiale. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. C'est fait. Connecter et informer la cellule mère au soleil central. Oui. Désactiver tout ce qui est magnétique et électromagnétique en dehors de ses propres champs naturels, bien sûr. Oui. Éliminer toute restriction en regard de la lumière originelle, de la pulsion de la lumière originelle du soleil central sur le plan cellulaire. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Installation de programmes anti-ondes et fréquences nuisibles avec les couches supplémentaires. Oui. Un contre les influences de la conscience collective avec son corps diamantin. Oui. Un contre les influences lunaires et toutes ses phases. Oui. Un contre toute substance nuisible à l'intérieur, sur et autour d'elle, quelle qu'en soit la nature, l'origine et l'époque. Oui. Un contre les nuisances des ordinateurs et de l'intelligence artificielle sous toutes ses formes. Oui. Un contre la vacciculation
Oui. Et un contre les vagues circulées, quelles qu'en soient les versions. Oui. Que chacun de ces programmes soit stabilisé et indestructible. Oui. Et pour ce faire, qu'il soit adaptable à chaque situation, y compris aux variations des lignes temporelles. Oui. Insertion de l'arbre de création et activation dans les deux sens. Oui. Insertion de flore de vie, graine de vie et double demi-scat activé. Oui. À présent, elle crée son code de vie et l'active également. C'est fait. Que tout soit stabilisé, sécurisé, pérennisé et concrétisé. Oui. À présent, nous travaillons sur l'atlas et la colonne vertébrale. Dans un premier temps, nous éliminons toute trace, mémoire, empreinte, écho, résonance, etc. pour chacune des parties, sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3. Oui. Et que chacune d'elles soit connectée au chakra cardiaque pour recevoir amour et force de vie. Oui. Au cœur de Gaïa pour recevoir énergie, substance, vitalité, structure. Oui. Et à la source pour recevoir information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. Oui. Et je vais conseiller à Sophie de visualiser, imaginer et ressentir au maximum dans la mesure de ton possible pour intégrer donc, au maximum ce qui va être fait. À toi de jouer. À partir de son chakra du cœur, elle déploie une onde puissante, tourbillonnante, bleue, scintillante et dorée. Cette onde s'expanse, monte en puissance. Elle englobe tout son espace physique et énergétique. Elle monte jusqu'à se stabiliser en un espace sécurisé à haute fréquence. Elle vient s'y placer au centre. Là, elle déplace doucement son atlas. Ça vient le dégager. Et ça déclenche cette onde puissante qui descend tout le long de la colonne vertébrale, haut en bas, qui passe auprès de chaque vertèbre, qui vient réinitialiser, réinformer chacune d'entre elles, qui vient les relier les unes aux autres, et qui vient relier chacune d'entre elles à chaque organe et système auquel elles sont reliées. Cette onde augmente en puissance tout au long de sa descente. Arrivée à la hauteur du coccyx, elle vient pulvériser et expulser hors de cet espace sécurisé des couches denses, épaisses et sombres. C'est des mémoires compressées et des traumatismes. C'est fait. Elle enroule sa colonne vertébrale jusqu'au chakra coronal avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issue de sa propre source. Oui. Stabilise, sécurise, prédise et concrétise. Oui. Je propose à son élémental l'ensemble des systèmes principaux pour lesquels il travaille pour chacun, dans le détail et dans le global, et ensuite dans la globalité de tous les systèmes en lien, relation et synergie les uns avec les autres. Oui. Pour chacun, il procède par annule et remplace. Oui. De l'autre côté, nous éliminons toute trace, mémoire, empreinte, écho, résonance, etc. pour chacun des systèmes sur tous les plans comme précité. 1, 2, 3. Oui. Et que chacun d'eux soit recréé à neuf avec le GABA et l'arbre de création dans sa version originelle. Oui. Et qu'il soit connecté au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. Oui. Et suivant notre nouveau procédé, donc on va que chacun des systèmes soit calqué donc, et connecté aux archétypes originaux de chacun d'eux et abouti, bien sûr, et bien sûr spécifique à Sophie et dans le détail et le global. Donc, pour faire plus court, en connectant le système cérébro-spinal à l'archétype originel, qu'est-ce qui se passe? Ça vient recentrer et opérer un recalibrage général. Ça vient relier des points d'information entre eux pour en créer de nouveaux et les stabiliser. Ok. Et si tu vois que ça travaille jusque dans son détail? Oui. Parfait. Alors, on continue. Système nerveux. Oui. Sanguin. Oui. Lymphatique. Oui. Énergétique des méridiens. Oui. Osseux, squelette, articulation, cartilage, tout ce qui est afférent et attenant. Oui. Musculaire. Oui. Cardiovasculaire. Oui. Respiratoire. Oui. Endocrinien, glande immunitaire et hormonal. Oui. Digestif et métabolique. Oui. Urinaire, émonctoire, évacuation, élimination. Oui. Reproducteur et sexuel. Oui. Système des cellules, de la peau et des tissus spécialisés. Oui. Système des cinq sens et des sens extrasensoriels. Pour chacun, on élimine toutes les programmations limitantes sur tous les plans. 1, 2, 3.
Oui. Pour le système extrasensoriel, protection et sécurisation de chacun des canaux et activation. Sécurisé et activé. Système visuel. Oui. Auditif. Oui. Olfactif et gustatif. Oui. Kinesthésique. Oui. Système dentaire et le tableau général. Elle remplace le tableau. Ah, donc on élimine l'ancien dans les mêmes conditions que précité. 1, 2, 3. Oui. Et elle le recrée à neuf avec le gabarit de la deux créations dans sa version originelle en utilisant toujours donc, le gabarit de l'archétype originel en tenant compte des parties non biologiques ayant les intégrants, en recréant toutes les connexions et insérant des cellules souches, de l'eau primordiale et des énergies spécifiques pour chacune des zones qui en ont besoin. Oui. Tu vois autre chose à faire? Non, là c'est correct. Alors stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Système bioélectrochimique. Oui. Équilibre acido-basique. Oui. Cycle vitaux organique et systémique. Oui. Voilà. Tableau général de tous les systèmes. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. À présent, c'est l'ostéopathie générale au plus près de la physicalité. Elle se sert d'une sorte de diapason multifréquentiel sur lequel elle vient accorder chacun des organes et systèmes de son corps. Ça vient créer des vibrations, des résonances dans chacun de ses tissus, organes, systèmes, jusqu'au cœur des cellules, dans chacun de ses muscles, tendons, cartilages, jusqu'au système osseux. C'est toute sa physicalité qui vient se placer dans un nouvel état d'être, un nouvel équilibre. C'est fait. Micro-kiné. Elle vient créer les bonnes correspondances et ça vient déployer harmonieusement ses corps subtils. C'est fait. Massage métamorphique. Elle vient adapter à ses propres fréquences, cette onde d'énergie toujours disponible. C'est fait. Fascia thérapie. Elle vient accorder, régler chacun des fascias dans leur structure et les uns par rapport aux autres. C'est fait. Stabilise, sécurise, pérennise, concrétise. Oui. Nous abordons à présent le système de chakras et des glandes associées. Tout d'abord, que chacun des chakras soit connecté au cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. Oui. Que chacune des glandes soit décalcifiée, nettoyée, activée, interreliée et optimisée. Oui. Au sein de chacun des chakras, installe fleur de vie, graine de vie et double de muscat activée. Oui. Chakra secondaire, idem. Oui. Souterrain. Oui. Aérien. Oui. Les corps associés aux chakras principaux, combien en comptes-tu? Il y en a 7 activés. C'est bon. Centrage et alignement. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. À présent, nous allons procéder à l'élimination des sanskaras, les mémoires de souffrance. Pour cela, je te laisse les rassembler. Tu me dis quand c'est bon. C'est bon. Alors, on élimine tout sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3. Oui. Envoies-tu d'autres en arrière-plan? Non. Alors, stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. À présent, les programmes de vieillissement au sein de son ADN, ses cellules et sa biologie. Pour cela, nous allons utiliser la loi de l'inversion pour en faire des programmes de rajeunissement et de régénération. Oui. Stabilise, sécurise, prédise et concrétise. Oui. Harmonisation et rééquilibrage des 5 éléments et on commence par l'élément terre. Oui. Air. Oui. Eau. Oui. Feu. Oui. Éther. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. C'est fait. Et à présent, le féminin sacré et le masculin sacré. Elle déclare que tout ce qui empêche le ressenti, l'expression et la manifestation du féminin sacré et du masculin sacré sur tous les plans soit éliminé d'une manière fractale, multidimensionnelle et quantique avec traces, mémoire, empreintes, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation 1, 2, 3. Oui. Voilà. Et que les polarités soient rééquilibrées pour les mettre au point zéro. Équilibré. À présent, on va s'intéresser à ces glandes pinéales. Donc, il y avait un système GPS, mais c'était plutôt à la nuque. Regarde s'il en reste quelque chose à la nuque du système GPS. Non, il n'y a plus rien. Bien. Donc, pour en revenir à la pinéale et sa production de valentonine, cette hormone qui régit tous les cycles biologiques, y compris veille-sommeil et les systèmes d'auto-guérison.
J'aimerais que tu me dises ici et maintenant à quel pourcentage vois-tu qu'elle est produite. 48%. Elle était à combien avant la séance? 37. Alors tu la programmes pour être à 100% tout en tenant compte bien sûr des variations cycliques nécessaires à la biologie. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Voilà. À présent, on va aborder ces points. Donc, le premier point qu'elle a évoqué, c'est ce qu'elle appelle cette gastro-intestinale, mais qui va beaucoup plus loin, puisque ça, bien sûr, c'est les gènes dans la gorge, le nez, les oreilles, ça descend, saignement de nez, enfin, etc. Alors, qu'est-ce que tu vois? Il y avait cette sorte d'amibe, là, de parasite, hein, qui était là, installée en elle, qui venait s'étirer, puis se rétracter, qui se gonflait, prenait de plus en plus de présence là, au fur et à mesure de l'avancée dans l'incarnation. Ok, bon, maintenant sur cette nouvelle ligne de temps, qu'est-ce que tu vois qui reste à éliminer de tout ça? Il en reste des mémoires et des empreintes traumatiques avec leurs échos et résonances, et puis des programmations de fonctionnement installées par l'élémental du corps pour rejeter ce parasite-là, mais ça n'est plus adapté maintenant. Bien, je suppose que l'élémental a réalisé que la situation a changé. Oui. De ce parasite, est-ce que tu vois qu'il reste des résidus, des miasmes, d'éjections ou autres? Oui. Bien, alors on élimine tout sur tous les plans comme précité. 1, 2, 3. C'est fait. Voilà, et que chacune des parties concernées, donc impactées, soit reconnectée et réinformée. Oui. Apport d'énergie et vitalité. Oui. Équilibré et synchronisé. Oui. Réaligné et retissé. Oui. Voilà. On regarde maintenant s'il y a besoin d'énergie spécifique pour chacune des parties, que ce soit ORL, système digestif, métabolique et autres. Oui, un apport d'énergie vitale. Allons-y. De stabilisation et d'équilibre. Allons-y. Bon. C'est fait. Tu vois autre chose à faire? Non, là, c'est correct. Bien. Au niveau du système immunitaire, est-ce que tu vois que tout est correct maintenant? Oui, il s'est rééquilibré, stabilisé, renforcé. Alors, stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Donc, autre question, elle a subi des anesthésies locales, voilà, pour la fibroscopie et coloscopie. Regarde si de ces anesthésiants, il reste quelque chose. Non, il n'y a plus rien. L'élémental du corps a tout éliminé. Parfait. Bien. Alors, les raideurs dans les coups, omoplates, regarde à quoi c'était dû. C'est comme des sortes de, à la fois de choc et de déconnexion électrique. Ça venait de ces entités, la reptiloïde, accrochée à son cou, à son dos, à la colonne vertébrale et aux vertèbres. Donc, ça générait en quelque sorte des effets secondaires et aux articulations, enfin dans d'autres endroits du corps. Ok, y compris ces phalanges. Oui. Voilà. Donc, on va tenir compte de tous les points d'accroche et de toutes les parties impactées. Oui. Voilà. Pour toutes ces parties, qu'est-ce que tu vois qui reste à éliminer maintenant sur cette nouvelle ligne de temps? Il y a des mémoires et des empreintes traumatiques à éliminer. Et des programmations automatiques de fonctionnement de l'élémental du corps physique, mais qui ne sont plus adaptées maintenant. Alors, on élimine tout ça sur tous les plans. Complicité, 1, 2, 3. Oui. On reconnecte et réinforme tout ce qui doit l'être. Oui. Apport d'énergie et vitalité. Oui. Équilibré et synchronisé. Oui. Réaligné et retissé. Oui. Voilà, et pour toute la structure osseuse, pour toutes les articulations, en particulier les phalanges, bien sûr, mais la colonne vertébrale, etc., tout ce qui est impacté, on peut y mettre des énergies spécifiques. Oui. Voilà, quel type d'énergie tu mets là? Ce sont des énergies d'équilibre, de stabilité et de puissance aussi. Bien, et on va demander à son élémental de mettre un baume apaisant pour toutes les parties douloureuses de sa physicalité et les parties enflammées s'il y en a. Oui. Tu vois autre chose à faire? Non, là c'est correct. Alors, stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Voilà. Comment est-ce que tu vois maintenant ses phalanges, son cou, ses omoplates? Dégagé. C'est libre maintenant. Beaucoup plus fluide. Parfait.
Alors, donc, sujet avec la claustrophobie et anciennement aussi l'agoraphobie. Regarde, regarde, qu'est-ce qui fait qu'elle soit claustrophobe? C'est ce qui était vu tout à l'heure. C'est la réaction de sa physicalité, en fait, sa partie physique et des corps subtils, hein, qui ont du mal à s'aligner là dans cette physicalité-là, dans cette incarnation, en raison de ce système GPS-là qu'il y avait derrière sa nuque. Bien. Alors, qu'est-ce que tu vois qui reste de tout ça à éliminer? Il y a des mémoires traumatiques à éliminer et il y a des habitudes de fonctionnement, comme des automatismes, qui ne sont plus adaptés maintenant. Bien. Alors, on élimine tout ça sur tous les plans, comme précédé. 1, 2, 3. Oui. Voilà. Et elle va prendre conscience et connaissance de sa connexion avec la source par son intention. Et l'attention qu'elle porte sur son chakra cardiaque, activant tous les ressentis, sentiments, sensations, émotions, perceptions, etc. Oui. Et elle se ressent dans sa véritable nature, dans cet amour qu'elle est, dans sa complétude, son infinitude, son éternitude, sa sécurité intérieure et une paix profonde. Oui. Comment la vois-tu à présent en situation dans des endroits confinés comme ascenseurs, véhicules et autres? Calme, apaisée, centrée, sereine et tranquille. Et de la satisfaction ressentie de ce nouvel état d'être. Qu'est-ce que ça lui fait ressentir d'autre, ce nouvel état d'être? De la joie et du plaisir aussi. Alors qu'elle prend le temps de le ressentir, d'apprécier, de le savourer. Oui. Et elle le ramène ici maintenant comme un téléchargement dans toutes ses parties, son mental égo, son élémental, sa conscience cellulaire, tous ses corps, son ADN, sa partie subliminale et toutes ses autres parties, son âme, jusqu'au soi supérieur. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Voilà. Au niveau de sa ménopause, elle dit que bon, qu'elle n'est pas en place, voilà. Elle se sent pas bien, il y a des mastoses, etc. Regarde qu'est-ce qui se passe au niveau hormonal et de sa ménopause. Toute sa partie physique n'arrivait pas à se stabiliser d'un point de vue hormonal en raison de toutes ces interférences-là sur elle. Ça venait peser là sur elle comme une sorte de poids qui venait la décaler. Et ça venait modifier tout le fonctionnement de son corps physique, y compris tout le système hormonal. Bien. Alors spécifiquement, tu vois des choses à éliminer là? Il y a des mémoires et des empreintes traumatiques à éliminer. Et puis des habitudes de fonctionnement réactionnel de l'élémental du corps physique qui ne sont plus adaptées maintenant. Alors on élimine tout ça sur tous les plans comme précité. 1, 2, 3. Oui. Et on reconnecte et réinforme tout ce qui doit l'être. Oui. Apport d'énergie et vitalité. Oui. Équilibré, synchronisé. Oui. Réaligné, retissé. Oui. Voilà, est-ce que tu vois des choses spécifiques à faire pour le système hormonal et tout ce qui est en lien avec la ménopause? Ça a été, il y a de la réinformation. C'est comme s'il y avait des bribes de réinformation qui manquent et qui ne sont pas tout à fait accordées, en tout cas les unes avec les autres. Ça, c'est à stabiliser. Continuer, terminer la réinformation et la stabiliser. Ok, donc plus spécifique quoi. Oui. Alors, on reconnecte et réinforme tout ce qui doit l'être. Oui. Apport d'énergie, vitalité. Oui. Équilibré, synchronisé. Oui. Réaligné, Oui. retissé. Regarde là maintenant son futur avec sa ménopause. Comment ça se passe? Oh, c'est stable, fluide, tout est régularisé maintenant. Ok, pour les mastoses, est-ce que c'est régularisé aussi? Oui. Alors, stabilise, sécurise, pérennise et concrétise tout ça. C'est fait. Bien, donc elle a beaucoup de grains de beauté partout dans son corps et surtout dans son dos. Regarde à quoi c'était dû. C'est des réactions comme des réactions de rejet épidermique de l'élémental du corps physique à ces entités-là derrière elle. Il y a quelque chose dans une distorsion électrique et magnétique du fait des dispositifs installés par ces entités et de leurs actions. Et ça génère toutes ces réactions-là au niveau de la peau. Bien. Alors là, sur cette nouvelle ligne de temps, qu'est-ce que toi qui reste à éliminer pour tout remettre en ordre? Il y a des mémoires et des empreintes traumatiques à éliminer,
et des programmations automatisées de fonctionnement d'élémental du corps physique de réaction qui ne sont plus adaptées maintenant. Alors, on émet tout ça sous les plans complicité. 1, 2, 3. Oui. Voilà. Et que chacune des parties concernées soit reconnectée et réinformée. Oui. Apport d'énergie et vitalité. Oui. Équilibré et synchronisé. Oui. Réaligné et retissé. Oui. On peut mettre des énergies de dissolution pour chacune des parties. Oui. Voilà, chacun des grains de beauté. Et demander à son élémental qu'il installe une programmation donc de dissolution. C'est fait. Voilà, tu as autre chose à faire? Non, là c'est correct. Alors stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Voilà, donc maintenant les points, les autres points. Donc elle fait plein de formations qui n'ont jamais abouti. Voilà, elle n'en fait rien. Elle se sent frustrée, elle en a même honte. Regarde qu'est-ce qui se passe alors. C'est bloqué. Toute sa réalité était bloquée. Ça venait même bloquer ses intentions. C'est comme si ça lui bloquait les lignes de temps. Ce qui bloque, c'est les interférences, là. Les interférences des entités reptiloïdes. D'accord. Donc, il y a ça. Et puis, est-ce que tu vois que le fait que dans ses origines, elle s'ennuyait vite, ce qui a fait qu'elle est partie de sa planète pour explorer ailleurs, est-ce que cet ennui a aussi à voir avec ça? Ça vient y participer, y contribuer, mais ce n'est pas la raison principale. Ok, très bien. Donc, qu'est-ce que tu vois qui reste à éliminer maintenant pour tout débloquer? Il y a des mémoires et des empreintes traumatiques à éliminer avec leurs échos et résonances. Et puis des programmations automatisées de fonctionnement, mais qui ne sont pas et plus adaptées maintenant. Alors, on émet tout ça sur tous les plans. Complicité, 1, 2, 3. Oui. Voilà. Et pour en revenir quand même à cette énergie d'oubli, d'ennui, regarde si ça a une nuisance dans sa vie d'aujourd'hui, dans sa réalité, ou dans ses projets, dans ses... Ça apporte une énergie de nostalgie, de lourdeur, de pesanteur et de nostalgie. Très bien. Alors, on va chercher l'origine de ça. Tu vas à son origine, la toute première. 1, 2, 3. Ça remonte à cette manifestation d'elle-même, dans cet autre univers, sur cette planète-là. Mmh. Qu'est-ce qui se passe là? Il y a un ennui qui est là présent. Elle se ressent délaissée, oubliée. Elle ressent la solitude aussi. Et qu'est-ce qui fait qu'elle ressent cet ennui sur cette planète? C'est comme si elle avait été oubliée, comme si son existence même n'avait pas d'importance. Elle n'est pas la première de la fratrie. Elle est la cinquième. Ah, oubliée au sein de sa fratrie alors. C'est ça. Et le fait d'être la cinquième, les autres passent avant en quelque sorte. Son individualité n'est pas reconnue, elle est toujours là comme perdue et oubliée dans le groupe. En tout cas, tel est son ressenti. Bien, et bien tu vas te présenter à elle à ce moment-là. Oui. Voilà, tu vas lui donner les informations donc, de ce qui va survenir dans son futur et tu vas l'inviter à s'y préparer. Oui. Voilà. Et pour cela, on va la connecter directement à la source pour faire descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour, touché en plein cœur et dans sa conscience, que se passe-t-il pour elle à présent? Une montée en fréquence haute, soudaine et puissante. Ça s'ouvre, l'énergie s'ouvre là, au-dessus d'elle et tout autour d'elle. Elle se sent plus légère, libre. Elle se sent heureuse et joyeuse maintenant. Bien, on est toujours donc sur cette planète, au milieu de cette fratrie, on est d'accord? Oui. Comment est-ce qu'elle se sent maintenant avec dans ce milieu où elle se sentait auparavant oubliée, délaissée? Elle s'y sent bien, elle y a sa place, c'est sa famille. Elle regarde, elle observe toutes les différences et toutes les ressemblances qu'il y a avec les autres de sa fratrie. Et elle ressent du plaisir à en faire partie.
Et qu'est-ce qu'elle en comprend de cette situation? Elle se trouve bien là dans cette fratrie, c'est sa famille, c'est son univers. Elle ressent du plaisir à être là, elle se ressent à sa place, exactement à sa place. Bien, alors maintenant pleinement préparée à ce futur, donc est connectée à toutes ses parties d'elle-même, se sentant parfaitement à sa place. Elle va passer tous les événements, bien sûr, qui ne vont pas changer, ce seront les mêmes, puisque voilà, et jusqu'à sa première vie humaine. Je veux savoir comment elle vit tous ces événements jusqu'à sa première vie humaine. Avec légèreté et plaisir de la découverte. À chaque étape. Elle vit chaque étape comme une aventure intéressante et excitante, avec l'envie d'aller toujours plus loin à l'étape suivante. Il y a du plaisir et de la légèreté. Bien, et quand elle arrive dans cette première incarnation humaine, comment est-ce qu'elle se sent? Elle s'y sent bien, centrée, équilibrée. Il y a le plaisir de la découverte, là, de cette nouvelle forme de manifestation. Donc là, on est bien dans cette première vie humaine de ce qu'on appelle notre futur. Oui. Et dans cette vie, donc, mi-robotoïde, et dans ces manifestations formatées, elle se sent donc elle est différente par rapport aux autres à ce moment-là? Non, elle est comme les autres. Mais elle apprécie cette nouvelle forme d'être, de manifestation d'être. C'est nouveau, elle n'avait jamais connu cela auparavant. Il y a tout le plaisir de la découverte, de cette étrangeté de ce qu'elle considère comme étant une étrangeté. Eh bien, qu'elle prend le temps de le ressentir, de l'apprécier et de savourer. Oui. Et elle va passer toutes les vies vécues, donc sur Terre et intervie, jusqu'à ici et maintenant, et chacune d'elles se réinforme et se reprogramme. Oui. Comment la vois-tu à présent dans l'ici et maintenant? Apaisée, légère, tranquille, heureuse et joyeuse. Alors, qu'elle prend le temps de le ressentir, de l'apprécier, de savourer. Oui. Il télécharge dans toutes ses parties, son mental ego, son élémental, sa conscience cellulaire, tous ses corps, son ADN, sa partie féminine, toutes ses autres parties, son âme, jusqu'au soi supérieur. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Voilà. Alors, par rapport à ces formations qu'elle a faites, ses sentiments de honte, etc., de frustration, est-ce que tu vois qu'il reste quelque chose? Non. Tout s'est effacé. Discipline. Bien. Alors, autre point, donc, elle aimerait retrouver ses capacités, etc., ses capacités de perception. Avec ce qu'on a fait, est-ce que tu vois maintenant que tout est débloqué? Maintenant, oui. Ok. Donc, dans ses désirs de déménagement, donc, elle se sentait paumée, comme elle dit, et tu vois que maintenant, tout va être clair pour elle et que les choses vont pouvoir s'accomplir. Oui. Tu vois quelque chose qui pourrait bloquer encore? Non, non, il n'y a plus rien. Tout est libre et ouvert. Toutes les énergies sont fluides et libres. Bien. Pourquoi est-ce qu'elle se sentait obsédée justement par l'idée de retrouver ses capacités? C'est une alerte de sa partie subliminale. Que quelque chose était bloqué là par rapport à la partie physique et qu'il fallait qu'elle s'en dégage. Eh bien voilà, mission accomplie alors. Oui. Bien. Tu vois d'autres choses à éliminer pour dégager complètement ou tout a été accompli? Non, tout est correct. Ok. Alors, elle se demande pourquoi elle n'a pas de souvenir de sa naissance à 12 ans et puis même aujourd'hui, encore quelle mémoire, seulement dans les moments présents. C'est un blocage mémoriel de contrôle par ces entités reptiloïdes, les deux là qui sont en arrière-plan, pour la garder sous contrôle. Est-ce que tu vois qu'il en reste quelque chose? Non, ce blocage n'est plus là maintenant. Parfait. Alors, sa relation avec son fils, qu'est-ce qui se passe avec son fils qui ne quitte pas le foyer, voilà, qui est à charge, qui ne travaille pas, voilà, où elle se sent bloquée elle-même et lui également apparemment. Qu'est-ce qui se passe pour lui? Lui est descendu dans l'incarnation, c'est comme une incarnation de protection, une recherche
de la protection, d'une incarnation sûre et tranquille, quelque chose comme ça. D'accord. Bien. Et qu'est-ce qui fait que Sophie soit amenée à vivre cette expérience, elle ? Elle a été poussée dans cette lignée-là, contrôlée par ses rails, par les entités interférentes. Et c'est ces mêmes rails-là qui ont été considérés par celui qui est son fils maintenant comme sécurisants, en quelque sorte, après d'autres expériences de vie antérieure agitées et traumatiques. Donc là, tu parles de Sophie. Des deux. Des deux, d'accord. Donc, on va faire venir son fils devant elle. Oui. Elle va lui montrer donc le travail qu'elle est en train de faire. Il est proposé de prendre conscience et connaissance de sa propre situation et des informations que nous venons de recueillir. Oui. Voilà, il va prendre conscience aussi des entités qui sont à l'intérieur, sur et autour de lui. Quel type d'entité tu vois pour lui ? Il y a des entités démoniaques qui sont là autour de lui. Bon, ça, c'est habituel. Mmh. Et après ? Après, il y a des entités reptiloïdes, mais qui sont là en observation, mais sans intervention. Donc, c'est plutôt les démoniaques qui agissent sur lui ? Oui. Bien. Comment réagit-il en découvrant ça ? Avec distance. Et ils ressentaient leur présence, mais sans les conscientiser. Et maintenant que ça arrive à sa conscience, il prend de la distance. Il les regarde de loin. Bien. Demande-lui s'il veut que nous l'aidions. À s'en dégager, oui. Très bien. Alors, on va le connecter directement à la source pour faire descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour, toucher en plein cœur. Et dans sa conscience, que se passe-t-il pour lui à présent ? Il y a une montée en fréquence haute, soudaine et puissante. Ça vient le placer bien au-dessus de ces entités-là. Bien. Elles sont encore ici ? Tout à fait en dessous. En dessous, ok. Eh bien, on va quand même ouvrir un portail et on va toutes les virer sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui. Tu refermes et tu l'effaces. C'est fait. Est-ce que tu en vois encore en arrière-plan, comme ces reptiloïdes observateurs ? Non, il n'y en a plus. Il n'y a plus rien. Bien. Alors maintenant, tu vas l'inviter, et puis d'ailleurs, sa mère va faire la même chose, à couper tous les liens karmiques, donc en lien avec les vies antérieures, et en même dire tous les liens toxiques, suivant la définition que nous leur avons donnée, donc générique. Hein ? Chacun coupe tous les liens sur tous les plans. 1, 2, 3. Karmique, transgénérationnel, relationnel, etc. 1, 2, 3. Oui. Voilà. Bien. Alors, comment est-ce que tu le vois maintenant ? Apaisé, tranquillisé et léger aussi. Bien. Alors maintenant, tu vas l'inviter à continuer à faire le travail. Il a maintenant toutes les informations nécessaires. Il en a la liberté, les capacités. Et il peut commencer dès maintenant, même s'il sera invité tout à l'heure. Oui. Il est OK avec ça ? Oui. Très bien. Bien. Alors, donc en ce qui concerne Sophie, elle a coupé tous les liens également ? Oui. Parfait. Alors, stabilise, sécurise, pérennise et concrétise tout ça. C'est fait. Donc, le fait qu'elle se sentait bloquée sur tout, est-ce que tu vois que tout est débloqué à présent ? Maintenant, oui, tout était bloqué. Bien. Alors, en prenant conscience de sa véritable nature, de cet amour qu'elle est, dans sa complétude, son infinitude, sa sécurité intérieure et sa paix profonde, elle va s'installer une programmation sur laquelle que tout est possible, qu'elle mérite le meilleur, que tout lui vient facilement, agréablement, joyeusement, dans la facilité, la grâce et le plaisir, que toutes les portes lui sont ouvertes et qu'elle a accès à tout, sous toutes ses formes. Oui. Voilà, stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. À présent, on va regarder son corps mental. Je veux que tu vois toutes les programmations limitantes qui étaient existantes et les croyances limitantes, bien évidemment, qui en découlaient.
dans tout l'ensemble du corps mental, il y a des programmations qui sont venues se superposer là, les unes par rapport aux autres. Elles sont venues s'accrocher, se superposer les unes aux autres. Et ça vient créer un ensemble qui est lourd, pesant et limitant. Quelles sont les croyances limitantes qui en découlaient ? Qu'elle n'a ni la connaissance ni la puissance nécessaire pour passer par-delà ces programmations. Alors, sur cette nouvelle ligne de temps, avec tout ce qu'elle a vu, entendu, compris et intégré, qu'en pense à présent toutes ces parties ? Maintenant qu'elle est connectée directement à sa propre puissance intérieure, elle s'aperçoit de la nature de ses programmations et qu'elles sont agissantes uniquement dans des zones de basse fréquence. Elle s'aperçoit qu'elle peut aller bien au-delà de ces zones de basse fréquence, bien au-delà de ses programmations, et qu'elle peut aussi les dégager de sa réalité. Et c'est ce qu'elle va faire maintenant. Oui. Que reste-t-il à dégager de tout ça ? Il y a des habitudes de fonctionnement et des mémoires traumatiques à éliminer. Alors, on élimine tout sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3. Oui. Voilà, toujours sur cette ligne de temps, on va regarder à présent son corps émotionnel avec toutes les émotions et les sentiments qui étaient en lien avec cette ancienne situation. Il y a comme une sorte de lourdeur et de nostalgie là qui venait peser sur elle. Comme une sorte de souffrance émotionnelle lourde et cette sensation d'être décalée, non adaptée à cette physicalité-là, à cette incarnation-là. Avec une sorte de tristesse aussi, tristesse et nostalgie. Ça venait créer aussi des frustrations, des colères réactionnelles aussi par rapport à ces frustrations et de la culpabilité de ne pas arriver à soulever ces émotions, à les élever vers des fréquences plus légères. Tous ces éléments-là venaient créer une image d'elle-même qui ne lui correspondait pas, dans laquelle elle ne se reconnaissait pas. Et ça venait créer des fuites d'énergie aussi. Bien, on va regarder maintenant du côté des cinq blessures principales qui sont, je le rappelle, le rejet, l'abandon, l'humiliation, trahison et injustice. Lesquelles étaient prédominantes chez elle et comment s'exprimaient-elles ? Il y a l'injustice ressentie de ces conditions d'incarnation-là, ressentie comme bloquée et limitée. Il y a le ressenti de la partie physique d'avoir été trahie par le soi supérieur pour avoir été là, rejetée et abandonnée dans ces conditions d'incarnation-là limitées. Et puis il y a la sensation bien sûr, aussi. C'était pas le cas. Hein. Non, ce n'est pas le cas, mais c'est ce qui est ressenti par la partie physique. Hein. Voilà, c'est important de le préciser. Et puis il y a aussi l'humiliation ressentie de ne pas arriver à se dégager de toutes ces émotions basses qui la maintenaient comme dans une sorte de carcan là dans l'incarnation. Pour arriver à fonctionner dans l'incarnation, elle avait mis en place un système de fonctionnement, de protection tout autour d'elle, comme une sorte de bulle de verre là, tout autour d'elle, comme une sorte de bulle de savon transparente, semi-transparente, mais en verre, c'est-à-dire plus solide. Et ça lui permettait d'éviter de trop souffrir en fait, ça lui permettait d'avoir cette sensation de participer là à l'incarnation, d'y être au centre, mais sans en subir les souffrances en retour. Ça venait faire comme une sorte de tampon, de coussin protecteur. Donc ça lui permettait, cette façon de fonctionner là, d'avancer dans l'incarnation sans trop souffrir, mais en même temps, c'est comme si tout était assourdi. Comme tous les bruits assourdis, comme tous les éléments de la vie assourdis, ça venait la couper d'avec elle-même, d'avec ses ressentis, d'avec ses intuitions. Et ça venait la couper d'elle-même, de ses parties supérieures d'elle-même aussi. Mais c'est la seule façon qu'elle avait trouvée pour fonctionner dans l'incarnation. Je rappelle bien sûr qu'il s'agit là de l'enseigne de temps pour que tu aies les compréhensions de comment tu fonctionnais et de quels étaient les tenants et les aboutissants. Sur cette nouvelle ligne de temps, qu'est-ce que tu vois qui reste à éliminer de tout ça ? Il y a des habitudes de fonctionnement et des mémoires traumatiques hein, à éliminer. Alors, on élimine tout ça sous les plans, comme précité. 1, 2, 3. Oui. Voilà. Et en ce qui concerne la personnalité, donc Sophie, tu as maintenant toutes les informations, toutes les compréhensions pour créer les changements nécessaires.
Voilà. Bien. Là, j'ai... Et toujours en conscience et connaissance de sa connexion avec la source par son intention et l'attention qu'elle porte sur son chakra cardiaque, activant tous les ressentis, sentiments, sensations, émotions, perceptions, etc. Oui. Chacune des cellules de son corps s'éveille, s'enflamme, s'illumine, vibre, rayonne, irradie et pétille. Oui. Chaque particule à l'intérieur, sur et autour d'elle également. Oui. Comment vas-tu, Sophie, à présent? Légère. Elle se sent légère, apaisée, tranquille, centrée et équilibrée. Elle est là, centrée, dans l'instant présent. Calme, apaisée, ça lui permet d'apprécier l'instant présent, d'y trouver du plaisir. Et trouver aussi du plaisir et de la joie à être là dans l'incarnation. Alors qu'elle prend le temps de le ressentir, de l'apprécier, de savourer. Oui. Et elle installe une programmation selon laquelle chaque fois qu'elle en aura envie ou besoin, elle pourra le ressentir pleinement, même si c'est là installé dorénavant en permanence. Oui. Elle le ramène à sa bulle de vie. Et dans chacune de ces bulles de création, qu'elle soit professionnelle, familiale, amoureuse, matérielle, financière, etc., tout ce qui constitue le tissu de son existence en tant qu'humaine. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. À présent, je veux que nous partions de la source et je veux savoir comment elle vit cet événement que nous nommons communément la séparation, comment elle le vit avec ses nouvelles compréhensions et dans ses nouvelles conditions. Elle garde l'intention ferme et la volonté puissante de toujours garder présente en elle la mémoire de ce qu'elle est, de son essence divine, quelles que soient ses formes de manifestation, quelles que soient ses incarnations, quel que soit l'espace, le temps et quelles que soient les circonstances. Bien, et que ressent-elle, bien sûr, je rappelle que c'est la clé pour tout le monde, hein. Que ressent-elle au sortir de la source avec tout ce qui se profile devant elle en termes de possibilités, de potentialités et de son existence en tant que Sophie? Il y a de la curiosité, de l'attirance pour toutes ces formes d'expériences là, qui se déroulent devant elle, pour toutes ces situations. Elle a envie d'y participer et d'y contribuer. Il y a de la joie et du plaisir d'anticipation. Alors, il y a plein de temps de le ressentir, de l'apprécier, de savourer. Elle le rajoute à sa programmation. Oui. Il ramène tout ça ici et maintenant comme un téléchargement, toutes ses parties, son mental ego, son alimental, sa conscience cellulaire, tous ses corps, son ADN, sa partie subliminale, toutes ses autres parties, son âme, jusqu'au soi supérieur. Oui. Et elle se ressent pleinement dans sa souveraineté, sa liberté, son autonomie, son unité, sa puissance intérieure, sa créativité illimitée, un équilibre, une harmonie et une santé parfaite, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. Oui. Elle se ressent dans sa dignité et sa légitimité. Oui. Le sentiment d'être à sa juste place, où qu'elle soit et quoi qu'elle fasse, avec plaisir, joie et amour. Oui. Et le sentiment de sa propre valeur. Quelles qu'étaient les expériences des passés, présents, futurs, elle sait que tout est juste, que tout a une fonction utile et que tout a une valeur d'expérience et d'apprentissage, et même et surtout ce qu'on appelle l'erreur et le négatif. Oui. Elle repasse par chacune des vies vécues sur Terre et ailleurs jusqu'à la source et chacune d'elles se réinforme et se reprogramme. Oui. Reviens ici et maintenant, la boucle est bouclée, stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Comment vois-tu Sophie à présent? Légère, apaisée, tranquille et en même temps il y a cette pétillance qui est là présente, cette joie. Il y a de nouveaux espaces de réalité qui se déploie là devant elle, de nouvelles potentialités. Et il y a cette curiosité, là, ce désir de les explorer maintenant. Il y a de la joie et du plaisir d'être dans l'incarnation. Bien, alors c'est le moment des invitations. Donc, oui. Elle met bien sûr son fils, le père de son fils et sa famille, voilà, ses frères et sœurs, avec leurs familles respectives, la famille en général, les amis, les relations, tous ceux à qui elle pense et tous les animaux de tout le monde. Oui. Qui eux sont invités pour la douche finale. Elle montre à tout le monde le travail qu'elle est en train de faire et propose à chacun de prendre conscience et connaissance de sa situation respective sur tous les plans et de profiter de cette opportunité qui est offerte. Oui. Est-ce que chacun choisit d'en profiter? Oui. Acceptent-ils tous avant cela un petit coup de pouce? Oui.
puisque nous avons leur permission, en leur nom, nous allons pouvoir éliminer toutes les entités en lien direct et indirect avec chacun d'eux jusqu'au plan archaïque. Éliminer également tout dispositif, tout ce qui n'appartient pas à leur corps, énergie, conscience et information d'origine, avec traces, mémoire, empreintes, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation sur tous les plans, multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les billes. Oui. Chacun rompt tous les pactes, les contrats, les permissions, les consentements, les accords, etc. Sur tous les plans, toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, toute bulle de création, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, dans tous les plis et replis des espaces-temps, dans tous les différents états de conscience et tout ce qui est connu et inconnu en général. Chacun va également couper tous les liens toxiques suivant un terme générique que nous avons élaboré et sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3. Oui. Voilà, maintenant tu ouvres un grand portail dimensionnel et tout disparaît pour tout le monde. 1, 2, 3. Oui. Tu le refermes et tu l'effaces. Oui. Chacun se place dans sa bulle christique de protection, se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa, programmée uniquement pour cette existence. Se connecte à la source, travaille sur son arbre généalogique et sur son ADN, à l'instar de ce qu'a fait Sophie pour elle-même, chacun bien sûr adapté à sa propre situation. Oui. Et il continue jusqu'à la douche finale à laquelle, je le rappelle, sont invités les animaux. Oui. Tout le monde s'est mis à l'œuvre ? Oui. Alors nous allons passer au désincarné, à la nommée, celui qui a été son père. J'aimerais savoir sur quel plan tu le vois et dans quelle situation. Il est dans le moyen astral. Il tourne. C'est comme s'il suivait une sorte de circuit prédéterminé, comme une sorte de route, et qui est sinueuse et qui tourne. Cette route-là, si j'en regarde où elle mène vers les routes d'incarnation. Mais pour l'instant, il ne perçoit pas encore cette destination-là. Il est dans ces tournants-là, de cette route-là. Bien, alors identifie-le, regarde son ADN éthérique, confirme-moi qu'il s'agisse bien de lui. Oui. Est-ce que tu peux communiquer avec lui ? Oui. Tu t'approches de lui, tu lui montres qui nous sommes, pourquoi nous sommes là, quelles sont nos fonctions, et surtout, qui nous envoie, et demande-lui s'il veut que nous l'aidions. Oui. Alors, on le connecte directement à la source pour faire descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour, touché en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour lui à présent ? Il y a une montée en fréquence, haute et puissante. Ça vient presque comme l'éjecter de cette route-là. Il flotte au-dessus maintenant. Il en perçoit tout le circuit. Bien. Alors, que choisit-il de faire à présent ? Est-ce qu'il veut remonter à la source ou continuer son chemin en toute sécurité, souveraineté, liberté et plaisir ? Remonte à la source. Alors dis-lui que pour qu'il puisse en profiter pleinement, il est nécessaire qu'il récupère toutes les énergies qu'il a laissées sur Terre et sur tous les plans, et qu'il coupe avec tout ce qu'il y a à couper. Il se libère totalement et libère tout et tous. Oui. Avant de remonter, est-ce qu'il veut s'exprimer, dire quelque chose à celle qui a été sa fille et à tous ceux qu'il a aimé et côtoyé ? Il y a l'expression du soulagement et du remerciement qui va vers celle qui était sa fille. De l'espace où il se trouve là maintenant, il émane de lui une onde d'amour universelle puissante et traversante. Elle traverse tous les plans, tous les espaces-temps. Elle se déploie auprès de toutes les consciences qu'il a connues sur tous les plans traversés et dans l'espace 3D aussi, lors de l'incarnation. Bien, de la position où il se trouve maintenant, qu'est-ce qu'il comprend de ce qu'il a vécu sur Terre et de ce qui s'y passe ? Il en perçoit tous les chemins prédessinés. Il perçoit combien le libre arbitre est trompé, bridé. Il en perçoit tous les mécanismes aussi qu'il y a là présent en arrière-plan, et avec les entités aussi qui sont là en arrière-plan. Il perçoit tout ça clairement maintenant. Bien. Alors, est-ce que tu peux lui demander, avant de remonter à la source, s'il veut bien envoyer dans la lignée paternelle et maternelle de Sophie des énergies et des informations pour que chacune des âmes désincarnées puisse avoir la même opportunité que lui ? Oui. Allons-y. C'est fait.
On va le saluer et le remercier. Il est parti. Il est sorti de la fausse matrice. Oui. Bien, alors maintenant, ça va être le tour de celle qui a été sa mère. Sur quel plan tu la vois et dans quelle situation ? Il y a quelque chose qui flotte, c'est sa conscience qui flotte dans une sorte de bulle. Une bulle transparente de protection qu'elle a placée autour d'elle. Et c'est comme une sorte de coussin protecteur. Ça évite les soubresauts fréquentiels trop importants. Bien, tu peux communiquer avec elle ? Oui. Tu t'approches d'elle, tu lui montres qui nous sommes, pourquoi nous sommes là, quelles sont nos fonctions, et bien sûr qui nous envoie, et demande-lui si elle veut être aidée. Oui. Alors, on la connecte directement à la source pour faire descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour, touchant ta curie dans sa conscience. Que se passe-t-il pour elle à présent ? Il y a une montée en fréquence. C'est puissant. Ça vient renforcer ses fréquences. Elles sont là plus puissantes, plus fines et plus légères. Bien. Et que choisit-elle de faire à présent ? Est-ce qu'elle veut remonter à la source ou continuer son chemin en toute sécurité, souveraineté, liberté et plaisir ? Maintenant qu'elle s'aperçoit qu'elle n'a plus besoin de cette sphère de protection qui s'est dissipée, c'est remonter à la source. Alors, pour elle aussi, pour qu'elle puisse en profiter pleinement, il est nécessaire qu'elle récupère toutes les énergies qu'elle a laissées sur Terre et sur tous les plans, et qu'elle coupe avec tout ce qu'il y a à couper, se libérant totalement et libérant tout et tous. Oui. Voilà. Avant de remonter, est-ce qu'elle veut s'exprimer envers Sophie et tous ceux qu'elle a aimé côtoyer ? C'est de l'amour, en fait, de l'amour pur et puissant. Et qui contient aussi de l'information de tous les plans qu'elle a traversés, qui va vers celle qui a été sa fille. Cette information-là et cet amour-là se déploient aussi auprès des autres consciences croisées dans l'incarnation, sur les autres plans aussi, traversés. C'est une puissance, ça apporte de la puissance, cette onde d'amour qu'elle déploie. Et elle remonte. Eh bien, nous la saluons. Elle est partie. Bien. On revient donc à Sophie. Oui. Regarde s'il reste des liens toxiques à couper. Oui. Donc, elle va tous les couper sur tous les plans. 1, 2, 3, en une seule fois. C'est fait. Regarde s'il en reste un arrière-plan. Non. Bien. Maintenant, elle va couper tous les liens de ses noms et prénoms avec le système de la fausse matrice. Elle ne conserve que ce qui lui est utile. 1, 2, 3. Oui. Couper et désactiver le numéro d'INSEE partout où il se trouve avec duplication et copier-coller. Là aussi, elle ne conserve que ce qui lui est utile. 1, 2, 3. Oui. Couper et désactiver toutes les parties du corps qui sont à l'extérieur, que ce soit du sang dans le corps d'autres personnes, comme dans les dents du sang, ou du sang prélevé et stocké quelque part, des ongles, des cheveux, des cellules, ADN, etc. Sur tous les plans, dans toutes les bits, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps et toute bulle de création. 1, 2, 3. Oui. Couper, désactiver, éliminer tout ce qui est à l'intérieur de tous ces corps subtils et physiques. Tout ce qui n'appartient pas à ces corps d'origine ou qui n'est pas issu de ses propres intentions, créations volontaires, délibérées et éclairées. 1, 2, 3. Oui. Couper, désactiver, éliminer toute forme de nanotechnologie à l'intérieur, sur et autour d'elle. 1, 2, 3. Oui. Et après l'élimination des codes matriciels limitants, j'aimerais que tu regardes s'il reste des choses à éliminer en ce qui la concerne de cette fausse matrice. Non, il n'y a plus rien. Bien, alors de son espace moronciel, elle récupère toutes ses énergies. Oui. Activation du diamant du cœur avec à l'intérieur fleur de vie, graine de vie et double muscat activé. Oui. Connexion à la grille cristalline. Oui. Connexion à la grille magnétique originelle. Oui. Connexion à la particule adamantine originelle. Oui. Connexion au soleil central. Oui. Activation de l'implant neutre qui est, je le rappelle, le point zéro qu'elle peut activer à tout moment par l'intention. Oui. Et je rappelle qu'il ne s'agit nullement d'un implant, c'est juste une métaphore. Processus de rajeunissement et de régénération. Activation de la particule divine dans son cœur qui déclenche la fontaine de jouvence énergétique qu'elle peut ressentir et apprécier dès maintenant et dont tu peux profiter si tu veux. Oui.
Activation des fonctions de l'ADN en lien avec la régénération et le rajeunissement. Oui. Programmer et informer la cellule mère de générer des cellules saines, vigoureuses et en pleine puissance et connaissance de leurs missions respectives, en particulier celle de la régénération et du rajeunissement. Oui. Connecter la cellule mère au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Processus d'auto-guérison pour toutes les parties qui le nécessitent, elle place sa conscience dans l'espace morentiel. Oui. Et pour chacune d'elles, fait descendre information originelle, énergie et code. Oui. Installe l'app de création élective dans les deux sens. Oui. Installation de fleur de vie, graine de vie et double muscate activée. Oui. À présent, elle crée son baume de vie régénérant qu'elle applique à l'intérieur, sur et autour d'elle, partout où c'est nécessaire, y compris sur son corps comme un lifting, en n'oubliant pas les parties qui contiennent ses grains de beauté. Oui. Voilà. Que tout soit donc stabilisé, sécurisé, pérennisé et concrétisé. Oui. À présent, nous allons revenir sur son ADN. Avec tout ce qui a été fait jusqu'à présent, j'aimerais que tu me dises combien est-ce que tu vois des listes, combien sont connectés et combien sont activés. Il y en a 7 de connectés et 6 d'activés. Bien. Alors, est-ce qu'elle peut réactiver la 7e? Oui. Allons-y. C'est fait. Peut-elle rajouter de nouveaux programmes? Oui. Allons-y également et dis-moi quelle différence ça fera pour elle. C'est des programmes d'activation de nouveaux faisceaux. C'est des faisceaux qui se divisent et qui s'activent là en ligne de temps. C'est fait. Très bien. Donc, elle enroule son ADN avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Peux-tu me dire à présent combien de temps il va falloir pour métaboliser pleinement sa science? Entre 8 et 14 mois. Entre 8 et 14. Est-ce que tu vois des effets rapides et lesquels? Oui, des sensations d'équilibre, de bien-être, de légèreté aussi. Est-ce que tu vois des inconforts dus au processus de métabolisation durant ces 8 à 14 mois, plus ou moins, suivant bien sûr la qualité de ses compréhensions et surtout de ses propres attitudes post-séance? Par phase, il y a des émotions de basse fréquence qui reviennent, des sensations de basse fréquence, de lourdeur, de tristesse, de sensation d'être bloqué, presque comme écrasé. Mais ça ne dure pas. Ça revient dans ces phases de la métabolisation où les anciens repères ne sont plus là déjà et où les nouveaux ne sont pas installés encore complètement. Et c'est le mental égo pour se rassurer en quelque sorte qui va rechercher des informations dans le passé pour les installer dans le présent. Alors, il suffira bien sûr à Sophie de se souvenir de ce qui a été dit. Hein. C'est très important de comprendre ça, voire de le réécouter. Dans ces moments où il te semblera que les choses reviennent en arrière, voire même qu'elles s'accentuent, en te souvenant que dans tout processus d'auto-guérison, c'est souvent ce qui arrive, et en restant confiante et optimiste, tu soutiendras toutes tes parties qui feront leur travail. Plus courte pourrait aussi être ta métabolisation, et meilleure en qualité et en profondeur. Autrement dit, la balle est entièrement de ton camp. Voilà. Dans ton camp. Et je rappellerai également, une fois de plus, que je proscris fortement de faire des séances d'énergétique et de et quantique durant au moins la phase de métabolisation pour ne pas détricoter ce que nous avons installé. Et pour soutenir toutes les parties de Sophie, on va aller dans le futur. Au moment où la séance est pleinement métabolisée, totalement réussie, dans sa meilleure version, je veux savoir comment elle se sent. Elle se sent bien libre, légère et pétillante. Directement connectée à sa propre puissance intérieure. Elle ressent cette connexion-là pleinement maintenant. Ça lui apporte de la joie, une grande légèreté d'être, aussi une pétillance, et sa conscience qui s'expanse, une sensation de bien-être, de liberté, de plaisir qui est là présente maintenant. Il y a de la joie et du plaisir à être là dans l'incarnation. Tu vois l'intérêt d'observer nos recommandations et même de les pratiquer, hein? Alors, elle prend le temps de ressentir, d'apprécier, de savourer, de déguster tout ça. Oui. Et elle le ramène ici maintenant dans toutes ses parties, son mental égo, son élémental,
sa conscience cellulaire, tous ses corps, son ADN, sa partie cellulaire et toutes ses autres parties, son âme, jusqu'au soi supérieur. Oui. Et pour chacune d'elles, ça devient du connu, de nouvelles références, de nouveaux repères, et même des habitudes qu'elle peut programmer, installer et ressentir dès maintenant. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. À présent, on va regarder son domicile. Comment vois-tu son appartement? Il y a comme des sortes de courants d'air de basse fréquence qui traversent le lieu. Mais c'est relié à elle. C'est comme si ça la suit, en fait, dans le lieu. C'est pas stable et rattaché au lieu, c'est relié à elle. Ok, c'est en lien avec son ancienne situation. Oui. Bien, regarde quand même les sous-sols, dis-moi si tu vois des désordres géobiologiques, énergétiques, ésotériques ou autres. Rien qui vienne l'impacter. Alors, elle fait une puissante tornade, elle nettoie tout, partout, voilà, sur tous les plans, et bien sûr, la mémoire des murs, meubles, objets, caves, greniers, garages, s'il y en a, enfin partout où elle sait que c'est nécessaire. Oui. Et elle installe partout des fleurs de vie, graines de vie, et d'où le muscat activé et sécurisé. Oui. Sur son compteur électrique, elle installe un gros diamant qui va transmuter l'énergie électrique en force de vie. Oui. Et par-dessus, fleur de vie, graine de vie et double muscat activé et sécurisé. Oui. À présent, sur tous les plafonds, elle installe un gros boîtier qui va filtrer l'air et une nanotechnologie. Oui. Et produire par ailleurs un puissant effet Niagara qui est rafraîchissant et régénérant, qui favorise un sommeil profond, régénérant, sécurisé, avec une respiration ample, profonde, aisée et agréable, avec un son et un parfum qui se module et en sécurise. Oui. Elle remplit tout son espace de sa présence et de son énergie. Oui. Elle le met dans une bulle cristallisée de protection, elle également, et les autres occupants, bien sûr, s'ils le veulent. Oui. Maintenant, tu as programmé les protections des différents états de conscience et tu sécurises. Oui. Relier le début et la fin de la séance, tu sécurises également. Oui. Créer une bulle de l'instant présent et une bulle de fin de métabolisation complète, totalement réussie dans sa meilleure version. Oui. Les deux bulles fusionnent et s'expansent. Oui. Elles vibrent, rayonnent, irradient et pétillent. Oui. À l'intérieur, son élémental qui se réjouit et qui s'ébroue. Oui. Toutes ces bulles de création et ces bulles d'intention qui sont comme une boîte à souhaits dans laquelle elle peut mettre tout ce qu'elle veut réaliser, manifester, concrétiser. Oui. Comme par exemple son déménagement et autres. Et il ne faut pas hésiter à s'en servir. Et par-dessus, fleur de vie, graine de vie, double muscat activé et sécurisé. Oui. Autour, son corps diamantin, en protection contre les influences de la conscience collective et en sécurise également. Oui. Maintenant, tu installes une programmation de sécurisation pour toute la séance et pour toute la phase de métabolisation du début jusqu'à la fin pour chacune, sur tous les plans, tout espace-temps, toute ligne de temps, tout plan de réalité, sur le plan fractal, multidimensionnel et quantique. Oui. Et que chacune d'elles soit parfaitement sécurisée, inviolable et ininfluençable. Oui. Voilà, donc on va sauter bien sûr la programmation après sa désincarnation, puisque c'est fait avec donc l'élimination des codes matriciels limitants. Et tu vas maintenant, pour accélérer la manifestation de tout ce qui a été fait jusqu'à présent, faire descendre des énergies et des informations sur le plan physique en 3D. Oui. Et les ancrer pleinement, et stabilise, sécurise, prénise et concrétise. Oui. Et on va demander à son sens supérieur ce qu'il pense de ce qui a été fait. Maintenant, il y a la connexion directe, libre, puissante et sécurisée entre le soi supérieur et la partie physique. A-t-il des conseils donnés à sa partie physique qu'il écoute attentivement? Oui, c'est la partie physique qui a l'entière responsabilité, en quelque sorte, hein, de cette connexion-là, par l'entière confiance hein, en ses propres capacités de connexion, mais aussi par son intention claire, puissante et déterminée de centrage, d'alignement et de connexion. Il suffira bien sûr à Sophie de se souvenir de ce qui a été dit et surtout de le mettre en pratique. Comment vois-tu son âme? Elle est montée en fréquence, elle est là, libre et légère. Et sa partie cellulaire? Elle s'est rapprochée de la partie physique, elle s'est reconnectée avec elle. Elle crée les connexions de communication avec les différentes parties d'elle-même.
Alors, ça va être la fin de la séance. Nous allons les saluer sous cette nouvelle ligne de temps, dans ce nouveau partenariat avec elle-même et ses parties supérieures uniquement, bien sûr, et dans cette nouvelle version de Sophie, en ce jour de renaissance pour elle. Oui. Est-ce que tout le monde a terminé le travail? Oui. Alors, je rappelle que tous les animaux sont invités et chacun est invité à trouver son portail et sa cascade. Et sous ces taux de très haute fréquence, composés de sons, lumière, couleur, énergie, rayons, parfums, géométrie, information originelle, etc., chacun peut ressentir à l'intérieur, sur et autour de soi, toutes ces énergies et en profiter pleinement. Oui. Dans la cellule mère de chacun, installe fleur de vie, graine de vie et double muscate activée. Oui. Connecté au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. Oui. Atome mère également. Oui. Particule de lumière mère, idem. Oui. Et nous terminons par la douche christique, or, diamant et bleu. Oui. Et suivant notre propre échelle de mesure, quelle était la fréquence de Sophie avant la séance et quelle est-elle à présent? 53 et maintenant 182. Chacun sort de son portail, le ferme derrière soi et retourne à sa place respective. Oui. Est-ce que tu es prête pour le retour? Oui. Alors c'est parti. Et 3. Tu peux ouvrir tranquillement les yeux. Coucou, ça va, Emmanuel? Oui. Alors à nous, tu peux remettre le son, Sophie, nous t'écoutons. C'était assez intense. J'ai eu beaucoup d'émotions. Surtout la partie des fins, ce qui est un peu logique, je pense, mais... Et puis, j'ai eu aussi des... Quand on a fait la partie des systèmes, tous les systèmes, en fait, j'ai senti une... comme une chaleur, en fait, qui est descendue jusqu'en bas. C'était très, très agréable. Vraiment, quelque chose de vraiment fluide. Et puis, ça l'a fait tout le long de travail que vous avez effectué sur tous les systèmes, en fait. Ça me l'a refait plusieurs fois. Et puis, concernant l'oubli dans la famille de l'autre temps, enfin du futur, je crois, c'était avant, c'était dans, sur la planète, sur voilà, l'autre. Voilà, c'est ça. Ça m'a rappelé qu'en fait, j'ai toujours vécu ce sentiment en fait, d'oubli tout partout où j'étais. Même en parlant aux gens, j'avais l'impression d'être transparente et encore à l'heure actuelle, on ne m'entend pas, par moments. On ne t'entendait pas. Non. Oui, on ne m'entendait pas, oui, tout à fait. Et puis après, j'ai eu, depuis les systèmes, là, j'ai eu des fourmillements ici, tout là, mais vraiment agréable. Tout le coup, là, la tête comme ça, jusqu'au cou, c'est marrant. Mais je suis bien. Et tout le reste de ce qui a été vu, ça a du sens pour toi? Ouais, vraiment. Oui, c'est très parlant. Et puis, après, moi, je suis vraiment dans le ressenti. Donc, j'ai eu que des tremblements du début jusqu'à la fin. J'ai pas réussi à les enlever. Alors, et des froids aussi, du froid. Voilà. Ok. Bon, tu connais mon conseil de revoir ta vidéo. Tu as compris qu'il y a énormément d'informations. Hein. Ça va sur beaucoup de plans. Donc, tu as des compréhensions qui vont s'affiner au fur et à mesure des écoutes. Et dans ces fameux moments de métabolisation, tu as bien compris que ça peut parfois être inconfortable. Oui. Et voilà, de temps en temps, tu peux te refaire la séance du début jusqu'à la fin avec cette vidéo. Hein, tout en sachant bien sûr qu'au début, les entités ne sont plus là. Tu es parfaitement libre et en sécurité. Hein, oui. Voilà. La base. Voilà, et tu as compris que la balle est dans ton camp, ouais. Oui, tout à fait. Voilà, donc j'espère que tu me donneras des nouvelles. Tu me diras par mail comment ça se passe pour toi, comment ça bouge, évolue. Hein. Oui. Toi et ton fils, même, puisque ça va certainement bouger aussi pour lui. Oui, de toute façon, je vais tout regarder. Il va avoir la séance. Il va la regarder. J'hésite parce que, en même temps, je me dis que ce serait bien qu'il la voie parce que ça peut peut-être lui ouvrir quelque chose. Je pense qu'il faut qu'il en voie une parce qu'il n'est pas contre, mais il me dit qu'il ne veut pas qu'on rentre dans sa conscience.
Bon, en tout cas, il ne faut pas le forcer, ne l'oblige pas, il vaut Non. mieux que. Hein. Non, non. Moi, je lui en parle, il écoute. Voilà, Je me et dis il que est ça peut curieux, fonctionner. voilà. Ouais. Voilà, ok. Qu'un jour, il va dire, je vais en faire une. Donc, ta vidéo, je peux la publier, comme on a dit? Ouais. Hein? Malgré que je suis bien Sophie, hein. Enfin, j'ai envie de rire aussi, T'es Sophie, ouais, de c'est se ça. baptiser. C'est bien ça, hein? Bon, bah, Ok. merci à toi. On va te souhaiter une En bonne plus, je la teste, métaphysation. mais je ne la regarderai pas sur Internet. Hein. Je la regarderai que pour moi. Bon, pourquoi? Bah non, Mais mais prends ton j'ai du mal temps. avec Non, mais le. attends, tu viens de faire un travail. Ce travail est censé débloquer, libérer les choses. Oui. Donc, si tu es cohérente et co-créative du processus, même créative, même c'est pas que co, hein, Oui, du ça. processus, c'est de considérer que les choses sont déjà là, déjà installées. Ouais, c'est Donc, vrai. c'est à toi de mettre le mouvement et de le faire avec confiance et certitude, tu vois, même si tu n'en as pas encore les preuves, tu vois. Oui, j'arrive pas à subir C'est ça la nature du travail, hein, c'est que tu prends les choses en main, tu as des compréhensions, et maintenant tu co-crées ce futur que tu considères comme déjà installé et que tu vas amener maintenant à manifester. C'est ça ton processus, Oui, c'est sûr, c'est vrai. avec la confiance et la certitude. Voilà. Hein? Bon, on va te souhaiter une bonne métabolisation. Merci à toi. Merci à vous, Emmanuel, Et à pour Manuel, ce travail accompli. évidemment. Et puis je vous dirai à bientôt pour des nouvelles. Voilà, je te remercie. À très bientôt. Et bonne continuation à vous. Oui, toi aussi.